Thank you.
Ordinaire du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 5 décembre 2022 est ouverte. Il est 19h. Je vous cède la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. En ouverture de séance, je veux attirer votre attention sur trois petites informations. La première, bien, vous le voyez dans mon visage, la COVID est toujours présente. On est toujours en pandémie et elle s'est insinuée dans ma maison. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas de symptômes.
J'ai un test négatif, donc ce qui explique ma présence, mais par mesure préventive, je vais porter le masque pour protéger mes collègues et vous tous ici dans la salle. Donc, soyez prudents, on arrive bientôt au temps des fêtes. Il faut faire attention pour ne pas se contaminer et contaminer les autres. Deuxième information, peut-être que vous l'avez vu passer là, dans les médias parce que ça suscite un certain engouement. Nous avons décidé cette année de laisser 50 % des bancs publics sur rue pendant l'hiver. Habituellement, on retire une plus grande proportion des bancs. On en garde entre 25 et 30 % parce que, essentiellement pour faciliter les opérations de déneigement des trottoirs, hein, qui est vraiment notre priorité. Là, le déneigement des trottoirs, c'est notre première priorité en matière de déneigement. Et les bancs vont, c'est un obstacle pour les chenillettes et aussi pour les déneiger, il faut les déneiger manuellement. Donc, c'est un être humain avec une pelle qui déneige chaque banc, chaque banc public. Et on a décidé de continuer d'assumer pleinement qu'on est une ville d'hiver, puis que ça tombe que l'hiver, les gens, ils se déplacent quand même à pied sur les rues commerciales. Et de temps en temps, ils ont besoin aussi de se reposer, de s'asseoir, que ce soit les personnes aînées, que ce soit les gens qui ont des parents avec des jeunes enfants, que ce soit des gens qui ont des enjeux de santé, qui sont visibles ou invisibles. Il y a plein de monde qui ont besoin de se reposer, pas juste l'été, l'hiver aussi. Donc, on va laisser 50 % des bancs cette année. On va ajuster nos pratiques de déneigement. On va voir comment ça se passe cette année. Et notre objectif est, d'ici 2 ou 3 ans, de laisser tous les bancs toute l'année. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. L'autre petite information, on va adopter ce soir une modification de notre tarification des cafés-terrasses. C'est bon? Non, mais on a dit café-terrasse. Ah non, c'était pas ça. Okay. Je pensais que c'était un mot qu'il fallait pas que je dise. Donc, on modifie la réglementation café-terrasse. On a modifié il y a un peu plus d'un an la réglementation pour permettre d'avoir davantage de café-terrasse sur nos plus petites rues commerciales. Avant, c'était possible juste sur les grandes artères commerciales comme Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis. Maintenant, c'est possible sur les petites rues commerciales comme Saint-Viateur, Bernard, Fairmont, l'avenue Laurier-Est, Duluth, par exemple. Donc, on en a plus, mais les commerçants nous disent toujours que la tarification est vraiment chère sur le plateau Mont-Royal. Donc, cette année, on a décidé de réviser la façon de tarifer les terrasses et surtout de réduire de 50 % les tarifs pour les cafés-terrasses. Donc, on va vraiment leur donner un coup de pouce. On sait que les cafés, les restos, les bars, ça attire des gens, ça attire des gens qui vont aussi aller dans les autres commerces. Donc, ça a une contribution au-delà du restaurant qui peut augmenter son chiffre d'affaires. Ça a aussi un impact sur les commerces autour. Donc, on voulait reconnaître ça en diminuant notre tarification. Donc, on diminue de 50 % et l'autre élément qu'on fait, c'est qu'on va avoir un tarif qui va être basé sur la superficie du café-terrasse. Avant, la tarification était basée sur l'évaluation foncière, la valeur de l'immeuble du commerçant qui avait un café-terrasse sur rue. Donc ça, on met fin à ça, puis maintenant, ça va être plus ta terrasse est grande, plus tu payes. Donc ça va être vraiment sur la surface occupée. Il y aura deux types de tarifs, c'est-à-dire sur les petites rues commerciales, ça va être un peu moins cher, puis sur les grandes rues commerciales, ça va être un peu plus cher parce qu'il y a plus de monde, puis bien, les heures sont étendues, donc ils peuvent ouvrir leur terrasse, les commerçants, un peu plus tard, donc ça va être un peu plus cher. Donc, ça a été vraiment bien accueilli par toutes nos sociétés de développement commercial, on a travaillé ça avec eux. Aujourd'hui, ils ont émis une citation comme quoi qu'ils étaient vraiment reconnaissants et enthousiastes, et ça va donner un bon coup de pouce à la vitalité du commerce dans le plateau, qui est vraiment quelque chose qui est important pour nous, pour vous. Ça contribue à notre qualité de vie. On aime ça, avoir des rues commerciales vivantes, vibrantes. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour soutenir ça contre les grands distributeurs en ligne qui n'ont aucune contribution à la vie de quartier. Donc, on veut vraiment soutenir le commerce local. Donc, pensez-y quand vous allez faire vos achats de Noël. Je passerai maintenant la parole à Maëva Villain.
Bonjour tout le monde, contente de vous voir nombreuses et nombreux. Il y a plein de jeunes, je vois, aujourd'hui au Conseil. Alors, on leur souhaite la bienvenue. J'ai très, très hâte de vous entendre. Moi, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qu'on va voter ce soir, mais je veux rendre hommage à une citoyenne résidente du plateau Mont-Royal, plus précisément du district que je représente, le district de Jeanne-Mance. Il s'agit d'Atlantide Desrochers, qui va recevoir le prix fédéral pour son engagement bénévole dans la catégorie innovation sociale. Donc, Atlantide, oui, vous êtes plusieurs à la connaître. Bon, alors, je pense que vous devez comprendre qu'elle a eu un impact important sur notre quartier. Elle a mis en place un organisme qui s'appelle Partage et Solidarité, qui récupère les produits invendus dans les épiceries et qui les distribue à tous, en fait, sans demander quelques preuves de revenus, quelques papiers que ce soit. C'est fantastique. Ce sont des tonnes et des tonnes de produits qui se seraient retrouvés autrement dans les poubelles, qui sont maintenant récupérés. Et en fait, ce qui est très beau aussi à voir, c'est la quantité de commerces du plateau Mont-Royal qui ont embarqué avec elle. On a des boulangeries, on a en tout cas des commerces fantastiques qui ont embarqué. Et en fait, c'est né sur le plateau. Ça a été soutenu par nos services. Je remercie Lynn Olivier qui tout de suite a cru et a soutenu ce projet-là. Et maintenant, elle est présente partout à Montréal, dans différents arrondissements. Et dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui d'inflation galopante des prix, on sait aussi qu'à Moisson-Montréal, la quantité de nourriture distribuée dans les organismes communautaires doit diminuer parce qu'il faut qu'ils refassent leur découpage par rapport à la situation actuelle. Donc qu'une femme comme ça ait pris ce leadership et fasse ça dans notre communauté, on est vraiment très, très fiers. Donc c'est un organisme qui est soutenu financièrement par le Fonds de lutte à la pauvreté que nous avons en arrondissement. Et depuis cette année, elle a un local au centre du plateau, donc dans lequel elle peut coordonner ses activités. Et elle fait évidemment une distribution au centre du plateau. Donc Atlantide, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais et bravo pour ce prix. Merci. Marianne Jiguer. Merci. Bonsoir tout le monde. Deux points ce soir. Le premier, en fait, en début de l'heure du jour, on va adopter le renouvellement de notre entente avec la SPCA qui joue le rôle de fourrière municipale pour le plateau Mont-Royal comme pour quelques autres arrondissements à Montréal. Donc, c'est 123 000 $ annuellement que l'on donne à la SPCA pour qu'elle nous offre la collectivité, les services de fourrière. Donc, vous trouviez un chien errant, un chat mal en point, n'importe quel animal en détresse qui a besoin d'aide ou qui a l'air perdu, c'est à la SPCA que vous devez vous référer. Et aussi pour un fameux programme, celui qu'on appelle le programme Capture, Stérilisation, Relâche, Maintien. Donc, ça, c'est le programme qui existe pour les chats féraux, donc les chats qui vivent dans nos ruelles, qui ne sont pas des chats sauvages, puisque ils nous viennent de nos chats domestiques, mais qui n'ont pas de maître, pas de chez eux, et donc qui vivent dans les ruelles. Il y en a beaucoup, des chats féraux, et donc il y a beaucoup de personnes dans le plateau Mont-Royal, comme ailleurs, qui s'occupent de ces chats-là, qui les capturent, ce qui est tout qu'un art, et qui, donc, elles peuvent les amener à la SPCA gratuitement. La SPCA va stériliser les chats. Et ensuite, ils sont ramenés par ces bénévoles-là dans leur milieu parce que c'est vraiment là qu'ils doivent vivre. C'est leur écosystème, c'est leur milieu de vie. Donc, ils retrouvent leur monde de chat, mais stérilisé. Donc, on peut vraiment réussir à contrôler des populations de chats féraux dans les ruelles grâce à ce programme-là et surtout grâce aux bénévoles qui font ce travail-là. Donc, j'en profite pour les saluer, souligner leur travail et l'importance de ce geste citoyen-là de bien-être animal, mais aussi de contrôle de populations qui peuvent être aussi des nuisances dans les ruelles. L'autre point ce soir, c'est qu'on va adopter une motion. En fait, c'est notre adhésion, celle du plateau Mont-Royal, à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité. Vous en avez entendu parler, il y a la COP15 qui commence, qui est en cours presque, en tout cas qui est pour vraiment être lancée très bientôt pour deux semaines à Montréal. Donc c'est vraiment le grand rassemblement international de tous les dirigeants scientifiques, personnalités impliquées dans la protection de la biodiversité. On espère que,
que des ententes avec des objectifs ambitieux pourront être signées durant ce grand événement-là à Montréal. Et donc, on nous invite, comme l'a fait la Ville de Montréal, à nous engager. Donc, il y a une quinzaine d'engagements. Vous pouvez facilement les trouver sur le site de la Ville de Montréal, mais ils sont en trois grandes catégories. Donc, réduire les menaces à la biodiversité, partager les bienfaits de la biodiversité et trouver des solutions, travailler sur la gouvernance en gestion et en éducation, donc toujours en faveur de la biodiversité. Au plateau Mont-Royal, bon, on n'a pas attendu la COP15 et cet engagement-là pour vraiment travailler en faveur de la biodiversité. Puis j'en profite quand même puisque c'est vraiment d'actualité que d'en parler. C'est important de le faire. On espère devenir meilleur, mais on espère aussi être des modèles dans tout le travail qu'on fait. Et là, j'y vais en rafale, toute la déminéralisation qu'on fait en faveur de plantations, de verdissement. Je pense à nos saillies de trottoirs, aux rues qui sont fermées pour agrandir les parcs, les terre-pleins qui sont verdis par des plantes indigènes qui sont laissées un petit peu à l'état sauvage pour favoriser donc la vie qui est là-dedans. Nos ruelles vertes, nos places publiques qu'on crée, qu'on ajoute, qu'on verdit. Quand on retire du stationnement dans les parcs, quand on plante, comme on s'est engagé à le faire, des micro-forêts, il va en avoir dans le parc Laurier très bientôt. On ajoute des arbres fruitiers maintenant dans nos parcs, comme au parc des Compagnons de Saint-Laurent. On ajoute des arbres par centaines à chaque année. Je pense à l'avenue des Pins, où on a une douzaine d'essences d'arbres différentes. Donc, un mix d'arbres, ça c'est un changement, hein, parce qu'avant, dans les villes, on aimait bien les beaux alignements, toutes pareilles, de la même essence d'arbre. Et on sait que quand une bébite comme la grille rentre là-dedans, mais ça peut être vraiment dévastateur. La protection des terrains, comme le champ des possibles, le jardin Notman, etc. Donc, on est engagé pour la biodiversité et on lâchera pas et on va redoubler d'ardeur parce que à la base de la vie, y compris la nôtre, il y a des insectes, il y a des petits animaux, il y a toutes sortes de plantes et il faut favoriser leur existence et les protéger. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. Merci. Merci. Laurence? Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Moi, ce soir, je vais vous parler du point 40.03 qu'on a à l'ordre du jour. C'est d'approuver la demande de l'OBNL Le Livard à tenir une activité qui se nomme Permaculture, donc dans ses locaux sur la rue Saint-Denis au 3980 Saint-Denis. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, c'est suite à un appel à projet de la Ville-Centre, un appel à projet culturel et touristique nocturne avec vente d'alcool qui a été lancé en septembre dernier. Donc, le projet qui a été retenu, c'est un projet qui se présente comme un nouvel écosystème festif, engagé et responsable, dont l'objectif est de promouvoir la musique électronique locale et sensibiliser les jeunes de 18 à 35 ans aux enjeux sociaux, culturels et environnementaux qui entourent le monde de la nuit et de la fête. Donc, je tiens toutefois à préciser, parce que peut-être que ça peut être inquiétant d'entendre ouverture 24 heures avec vente d'alcool jusqu'à 6 heures du matin, mais je tiens à vous rassurer qu'il va y avoir une multitude de mesures en place pour s'assurer que cet événement-là se déroule bien. Donc, un événement qui va avoir lieu pendant 3 nuits cet hiver, donc le 28 janvier, le 25 février et le 10 mars. Donc, 2023, parmi les mesures, on parle notamment de l'implantation d'une ligne de communication directe entre le voisinage et les organisateurs, la présence d'un premier répondant afin de s'assurer que tout se passe bien, la présence aussi d'un ingénieur en sonorisation et d'appareils de mesure du son. Donc, diverses mesures. C'est juste un petit aperçu. Il va y avoir, évidemment, plus de détails en ligne sous peu. Donc, ça, c'était mon premier point. Puis sinon, très rapidement, je voulais vous partager que du nouveau dans le chantier en accessibilité universelle de la Ville de Montréal. J'étais là cet après-midi avec ma collègue Maëva. Puis c'est un événement donc, qui donnait quelques détails d'un diagnostic qui a été fait de la Ville de Montréal et de ses pratiques en accessibilité universelle.
Puis l'événement a été enregistré, web diffusé. Donc, il est disponible sur le site réalisonsmontréal.ca/accessibilité. Merci. Bonne soirée. Merci, Laurence. Alex Norris? Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je vais vous parler ce soir du plan directeur du parc Jean de Vence et de la Côte-Placide dans le parc du Mont-Royal. La semaine dernière, la version quasi-finale de ce plan directeur a été rendue publique sur le site web de la Ville de Montréal. Le jeudi précédent, le 24 novembre, il y a eu aussi une séance d'information publique à laquelle beaucoup de gens du quartier ont assisté. Donc, il y a beaucoup de contenu dans ce plan directeur, beaucoup de nouvelles. On prévoit, je vais vous donner quelques faits saillants, on prévoit notamment l'installation d'un nouveau jet immersif, des jets d'eau immersifs où on pourra se rafraîchir près des escaliers qui montent vers l'avenue du parc, au milieu du parc Jeanne-Mance. On prévoit mettre des fontaines décoratives près des marches aussi, le réaménagement et la mise aux normes de la pataugeoire. On prévoit planter plusieurs dizaines d'arbres, particulièrement dans le secteur sud, qu'on compte mieux aménager pour le rendre plus accueillant, avec l'installation aussi de bancs dans le secteur entre la rue de Lutte et l'avenue des Pins. On va réaménager le chalet du parc pour intégrer plus de toilettes. Il y a un manque de toilettes dans le parc Jeanne-Mance et on a trouvé un moyen pour en ajouter plus dans le chalet. On prévoit également fermer la rue de Lutte à la circulation véhiculaire entre l'avenue du Parc et l'avenue de l'Esplanade de manière permanente à partir de l'an prochain. Ça, c'était l'un de nos engagements électoraux lors de la dernière campagne électorale. Et la formule d'enlever des rues, des voies publiques ou des stationnements des parcs, c'est une formule qui a vraiment fait ses preuves déjà sur le plateau Mont-Royal. On peut penser à 6 parcs où on a déjà fait des changements similaires, que ce soit le parc Baldwin, le parc La Fontaine, le parc sans nom, le parc Lasse de Celle, le parc La Haye, le parc Laurier. Alors, le plan, c'est de tenir aussi une consultation plus locale pour les gens qui souhaitent participer à une réflexion sur l'aménagement temporaire de la rue de Lutte, parce qu'on va procéder par étapes, comme on a toujours fait, en testant des aménagements temporaires dans le but d'intégrer l'entièreté de la surface asphaltée entre ces deux rues de la rue de Lutte, entièrement, de le verdir et l'intégrer au parc Jeanne-Mance. Alors, le plan représente une série de compromis. Il n'y a personne qui a eu tout ce qu'il voulait, mais on maintient les principaux traits architecturaux, les paysagers du parc. Tous les terrains de sport sont maintenus. On ajoute aussi, ça c'est un élément important, une revendication de longue date, notamment du CPE du quartier. On va inclure une aire d'exercice canin clôturée dans le parc, qui va être accessible aux maîtres de chiens pendant toute la journée et tous les heures de la soirée où le parc est ouvert. Donc ça, c'est un changement majeur qui va permettre de réduire des conflits d'usage dans le parc, mais aussi de respecter une revendication des maîtres de chiens, qui eux aussi sont inquiets que leurs chiens peuvent courir actuellement dans l'avenue du parc, parce que l'air est aux heures restreintes et non clôturée, donc c'est pas sécuritaire pour les chiens non plus. Alors, je vous encourage à aller sur le site web Réalisons Montréal pour consulter les documents du plan directeur. Je tenais à vous mentionner que nous allons émettre bientôt un questionnaire sur les aménagements temporaires, les usages temporaires de ce tronçon de la rue de Lutte. Ça va être
très certainement distribué dans la prochaine infolette, peut-être avant ça, mais cette semaine, on prévoit commencer la distribution. Au mois de janvier, on va tenir une consultation publique plus locale pour les gens qui habitent à proximité de ce tronçon de la rue de Lutte. Alors, je suis vraiment ravi par le résultat de ce plan directeur. Ça fait des années et des années qu'on attend que ça débloque, qu'on puisse résoudre ces dilemmes d'aménagement qui nous empêchent d'avoir une vision d'ensemble pour le développement du parc Jeanne-Mance. Je trouve qu'on a trouvé une bonne solution. Si vous avez des commentaires, je vous encourage à m'écrire à mon adresse de la ville, alex.norris@montreal.ca. Je serais intéressé à entendre vos commentaires, les partager avec, avec nos collègues. Je tiens à remercier ma collègue Maëva Villain, Luc Rabouin, le maire d'arrondissement, avec qui j'ai vraiment travaillé en étroite collaboration sur ce dossier. Aussi, le responsable au comité exécutif, Caroline Bourgeois, qui nous a rencontrés sur place dans le parc Jeanne-Mance, a fait preuve d'une grande écoute, d'une grande proactivité dans le dossier. Et aussi Louise-Hélène Lefebvre, la directrice des Grands Parcs de la Ville de Montréal, et Isabelle Girard, directrice du Bureau du Mont-Royal, qui ont beaucoup travaillé dans ce dossier aussi. Donc, il y a beaucoup de professionnels, tant de la Ville qu'à l'externe, qui ont travaillé sur ce document. Il y a beaucoup de recherches là-dedans, beaucoup de synthèses. C'est très intéressant. Je vous encourage à aller en ligne et à consulter les documents et de nous laisser savoir ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est une grande victoire pour le quartier et j'ai vraiment hâte de voir certains de ces aménagements, notamment la réouverture de manière permanente et sécuritaire de la Pataugeoire et les nouveaux jets immersifs d'eau qui sont prévus avant la fin de ce mandat. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Merci. Merci. Marie Sterlin. Bonsoir. Merci. Petit sujet plus local, mais important quand même. On a dans le Mainland une association, la GAM, l'Association des gens d'affaires du Mainland, qui se battent très fort pour la vitalité commerciale des plus petites artères, celles qui ne sont pas représentées encore par une SDC. Donc, l'arrondissement a accordé à même son fonds discrétionnaire une subvention à la GAM qui voulait profiter de la saison des fêtes pour décorer, pour rendre le plus attractif possible ces rues, la rue Bernard et la rue Fairmount. Donc, subvention. Des initiatives pour rendre, donc pour décorer l'extérieur des commerces, pour attirer les gens. Mais là-bas, ça reste quand même nous, l'idée qu'on fréquente nos commerces locaux. C'est une saison qui est très importante pour eux. Ils mettent beaucoup d'efforts. Les gens d'affaires du Mainland, c'est des gens qui sont déjà occupés à gérer leur commerce avec un manque de personnel. Puis ils mettent beaucoup d'énergie en plus de ça dans cette association. Donc, je vous encourage tous à fréquenter vos commerces locaux, leurs commerces, qui sont des commerces indépendants. Et bon, puis à prêter attention là, à voir qu'est-ce qu'ils vont réussir comme décor avec cette subvention qu'on a accordée, 1 800 $ pour donc toutes les adresses qui vont demander une participation. Merci. Marie Plourde. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je vais poursuivre dans la même veine festive. Marie a bien mis la table. Pour la petite Louise qui est assise bien sagement en face, c'est 19 dodo avant Noël. Oui, madame. Alors, il faut être sage. C'est donc dire que c'est la période où on commence à penser justement à organiser nos fêtes de Noël. Pour ces réjouissances-là, vous trouverez tout
sur nos artères commerciales, sur le plateau Mont-Royal. Elles sont aussi variées que riches en produits de qualité et en produits locaux. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Puis en plus, c'est franchement agréable. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller faire un tour, mais elles sont toutes magnifiquement décorées. C'est vraiment du plus bel effet. Et la SDC Laurier-Ouest, qui a maintenant un nouveau directeur général qui est, ma foi, très dynamique, a aussi mis une belle touche festive sur sa rue grâce à un financement qu'il vient, entre autres, de Tourisme Montréal. Et pour avoir eu une bonne discussion avec lui récemment, il y a plein de belles choses, plein de belles surprises. Là, je ne peux pas les dire encore officiellement, mais la rue va vraiment pouvoir s'épanouir là, à son plein essor. Alors, c'est à suivre. Je vous laisse en suspens. C'est bon, ça, Louise? C'est correct? maintenant, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très chaud dans le Mile End. On a vu beaucoup de commentaires circuler à ce sujet. C'est le 1 Van Horn. Alors, je vous rappelle, le 1 Van Horn, c'est l'entrepôt Van Horn qui est situé au coin de la rue Saint-Laurent et de Van Horn. C'était espèce de grand entrepôt avec des toutes petites fenêtres sur lequel repose un magnifique château d'eau. Et doit-on le répéter, les châteaux d'eau, il en reste presque plus à Montréal et c'est le seul qu'on va retrouver sur le territoire du plateau Mont-Royal. Alors, ce bâtiment-là, qui a toujours été très convoité, occupe en ce moment une fonction d'entreposage. Et il y a un nouveau propriétaire qui a fait l'acquisition du bâtiment récemment et pour lui, il a décidé de proposer un projet qui va changer la nature du bâtiment. Alors, c'est un projet dérogatoire. Alors, dérogatoire, ce que ça veut dire, c'est que ça déroge au règlement d'urbanisme. Alors, cette dérogation-là est à plusieurs niveaux. On demande plusieurs dérogations. Donc, une dérogation en hauteur, une dérogation pour la hauteur d'une mezzanine, une dérogation pour l'usage, puisqu'en ce moment, on ne permettrait pas, le propriétaire actuel voudrait faire une demande pour en transformer l'immeuble avec du commercial au rez-de-chaussée et un hôtel et un restaurant sur les étages supérieurs. Alors, la réglementation ne le permet pas en ce moment. Ce projet-là a été déposé à l'arrondissement, il a été regardé par nos services et il a été aussi présenté au comité consultatif d'urbanisme. Et le comité consultatif d'urbanisme était très conscient que c'est un projet qui est très délicat, qui est très sensible, puisque si on change l'usage de ce bâtiment-là, les chances sont énormes que la dynamique du quartier change. Donc, le CCU a dit, étant donné que l'acceptabilité sociale pour un tel projet, c'est majeur, c'est important, on veut entendre les citoyens. Bien sûr, il y a un processus de consultation publique qui est obligatoire avec le processus de PPC moi, de projet particulier, de dérogation, de demande de dérogation, telle que je vous l'ai mentionné en début de cette présentation-là. Mais nous, on a dit, avant d'aller plus loin avec ça, on veut voir, est-ce que ça vaut la peine même d'aller plus loin avec ce projet-là? Parce que est-ce qu'il va recevoir l'acceptabilité des citoyens et des citoyennes. Donc, pour nous, on a décidé d'aller plus loin que le processus réglementaire habituel et de travailler à faire un sondage. Et là, le sondage, comme je vous dis, c'est juste une étape préliminaire, un premier jalon. Et tous les autres jalons qui sont requis par la LAU, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, vont s'appliquer plus tard si le projet va de l'avant. Donc, ce fameux sondage-là, il sera mis en ligne. On espérait pouvoir le mettre en ligne avant le temps des fêtes, mais comme on le veut constructif, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la plateforme Réalisons Montréal pour poser les bonnes questions, pour pouvoir voir là, comment on peut mieux éclairer et les services et le CCU du plateau Mont-Royal. Donc, puis de toute façon, je pense peut-être que les gens n'auraient peut-être pas vraiment envie de répondre à un sondage pendant la période des fêtes. On aurait peut-être autre chose à faire. Alors, on juge là qu'on sera beaucoup plus adéquat dans la présentation de ce sondage-là après la période des fêtes. Donc, pour le reste, pour le gros processus officiel du PPC-moi, de la demande des demandes de dérogation, on n'a pas de date encore parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore rendu à ce stade-là dans les processus préliminaires. Alors, j'espère que été clair. Je sais qu'il y a des questions à ce sujet-là ce soir. Alors, si jamais je n'ai pas été clair, je me ferai un plaisir d'y aller avec plus de précision. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Ça met fin au mot des élus. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022.
Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 novembre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période des questions du public est ouverte et sa durée sera d'une heure, comme à chaque mois, sauf, évidemment, si le Conseil le prolonge. Alors, veuillez limiter, s'il vous plaît, votre intervention au temps loué de 3 minutes. Et je vous rappelle que vous serez filmé en direct. Si vous ne voulez pas être filmé, simplement le mentionner avant de vous présenter au micro. Alors, la période des questions se terminera à 20h31. Alors, comme première intervenante, j'appellerai Mme Stéphanie Bourbeau, qui est accompagnée d'un enfant. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis contente de t'avoir entendu, Marie, au sujet du Urban Run. J'ai des concitoyens et des collègues du comité citoyen qui vont te poser des questions à propos de ça tout à l'heure. Mais moi, ma question est un peu plus large, puis elle vient d'une consultation qu'on a fait récemment pour un sous-comité du comité citoyen qui porte sur la vie culturelle et le patrimoine. Merci. Puis tout ça, ça s'inscrit dans des démarches, des cafés citoyens qu'on a fait au printemps dernier. Puis il y a plusieurs personnes dans le Myland qui sont soucieux de voir disparaître le patrimoine immatériel du Myland. C'est-à-dire que plus qu'il y a de la gentrification, plus que les appartements sont rénovés, vendus, transformés en condos, le projet du Urban Run s'inscrirait peut-être là-dedans, transformation en boutique hôtel, qui fait du Myland un lieu de tourisme puis une marchandise. On s'inquiète de voir la pratique créative, artistique, qui a fait l'identité avec l'identité immigrante. Ça, c'est une autre partie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le patrimoine immatériel du Myland? On pensait que le Urban Run, ce serait comme un lieu vraiment précieux. On pense à nos amis du bâtiment 7. On pense à des amis d'Ancien-Henri qui essaient de se réapproprier la Canada Malting. Il y a plein de lieux à Montréal qui pourraient être des endroits magiques dont on serait fiers comme ça. Mais on se demandait s'il y avait une politique culturelle, en fait, en vigueur dans le plateau Mont-Royal ou plus particulièrement dans le district du Myland. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? On est en dialogue aussi avec des gens du Chinatown. J'ai vu un super film la semaine dernière qui s'appelait « Big Fight in Little Chinatown » parce qu'il est question de ça, justement, protéger le patrimoine immatériel du Chinatown qui est lui aussi, qui fait face aux mêmes ennemis que nous, Schiller Lavie, pour ne pas les nommer, Schiller Kornbluth, les fils de... les mêmes qui ont fait le manoir La Fontaine, donc des gens qui sont là vraiment pour faire de l'argent sur la brique. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qui est à l'intérieur de la brique, de l'âme, de la création, de la vie. Donc, politique culturelle dans le Myland, dans le plateau. Mm-hmm. Je vais commencer, mais disons que c'est une longue conversation qu'on devrait avoir, je pense, plus que juste une question. Une des choses qu'on a fait, c'est de protéger des ateliers d'artistes dans le Myland. Donc, on est l'endroit probablement au Canada où il y a le plus d'ateliers d'artistes à coût abordable. On le fait dans les bâtiments d'Allied, puis on le fait plus récemment dans un autre bâtiment sur Cassegrain. Donc, on a presque, je pense, autour de 300 000 pieds carrés, là, presque d'ateliers d'artistes protégés dans le Myland. Donc, ça, c'est le genre d'affaires qu'on a pu faire parce qu'on a exercé, parce qu'on a, on exclu en moi, là, mais précédemment, on a fait preuve de créativité pour modifier le règlement du zonage puis d'obliger une négociation avec les propriétaires immobiliers pour qu'ils intègrent des ateliers d'artistes à coût abordable. Puis, en parallèle, la Ville avait un programme de financement des travaux de rénovation. Donc, c'est un élément. La protection de bâtiments, de grands bâtiments comme le 1 Van Horn, vous donnez l'exemple du bâtiment 7, mais le bâtiment 7, à la base, ce sont des citoyens, des citoyennes qui sont mobilisés, qui sont organisés, qui ont développé des propositions, qui ont monté leurs projets. Il n'y a rien qui empêche ça, mais c'est un défi, tout le temps. Hein, donc, le bâtiment 7 n'est pas sécurisé pour la vie, hein, donc c'est un projet qui est toujours... rempli d'enjeux parce que il y a tout le temps l'enjeu de qui paye
C'est l'enjeu du financement, toujours l'enjeu, l'entretien, les rénovations, les opérations. Il faut trouver un modèle qui fait qu'on est capable de garder le bâtiment, de le protéger, de l'entretenir. Et c'est pas si facile. Donc, nous, on peut être en discussion là-dessus s'il y a des initiatives, mais on n'a pas les solutions dans notre poche arrière. L'autre élément, bien, il y a la protection des commerces, des petits commerces de proximité. Donc, on essaie le règlement sur les pour pouvoir avoir des terrasses, réduire le coût des terrasses. C'est une façon aussi d'encourager les petits commerces indépendants. On travaille actuellement à développer un programme pour permettre l'acquisition de locaux commerciaux par des petits commerces indépendants ou des OBNL, au même titre que les ateliers d'artistes. C'est-à-dire que si on était capable de sortir certains immeubles du marché, bien, comme dans le logement, là, ça les protège. Mais on a quelques outils, mais nos leviers sont quand même assez limités. Puis je laisserai Marie peut-être compléter là-dessus. Bien, j'aimerais mentionner que, bon, tout d'abord, c'est un projet. Le bâtiment est détenu par un privé, une personne qui, lui, veut faire un hôtel. Mais dans cet hôtel-là, étant donné qu'il demande une dérogation, est-ce qu'on peut ne pas essayer d'avoir des discussions avec lui pour voir est-ce que il n'y aurait pas une possibilité d'intégrer des ateliers d'artistes à l'intérieur du projet? Tout est possible, tout est pensable. Mais j'aimerais juste vous mentionner que nous, de notre côté, on est très conscients de ce fameux patrimoine immatériel, mais aussi de ce patrimoine industriel qui a vraiment forgé l'identité du quartier. On le voit autant à travers les mégastructures sur Casse-Grain, sur De Gaspé, et tous les abords de la voie ferrée sont marqués justement de ce passé industriel-là. Et ce témoin extraordinaire qu'est le 1 Van Horn, qui a été construit par un conseiller municipal à l'époque et qui servait d'entrepôt à grains et d'entrepôt à légumes plus tard, bien, ça fait partie de la signature et pas seulement le bâtiment en tant que tel, mais ce qu'il représente. Donc, on en est vraiment très conscient et ça fait partie des réflexions que nous avons. Maintenant, une politique culturelle, patrimoine immatériel, il faudrait peut-être que j'en discute un petit peu plus éventuellement avec ma collègue Laurence Parent, qui, elle, est responsable du dossier de la culture. Mais tout est dans tout, le patrimoine, la culture, tout ça marche main dans la main. Donc, on pourrait très certainement avoir des discussions intéressantes. Merci. Monsieur le maire. Oui. On me dit que la web diffusion ne fonctionne pas. Sur le site, ça dirige au 7 novembre. Back to the future. On recommence. Moi, je l'ai essayé aussi, puis ça marche pas. Ça nous mène au 7 novembre, une rediffusion, c'est pas en direct. Peut-être le boom de tantôt. Ah, qui sait? Oh, tantôt, c'est une tour qui a tombé. Oui, mais des fois, on trouve des explications qui n'ont pas de sens, mais ça nous arrange. De toute façon, nous, on va continuer de toute façon. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Oui, on continue. Quelques secondes? On continue. On n'est pas là? Pas là, mais... C'est bien d'accord. Alors, on va poursuivre la période des questions. Alors, Mme Alexia Rabilota, qui est accompagnée de jeunes élèves du primaire. Mais... Enregistré quelque part, mais... J'ai fait le chemin, puis ça... Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo puis que je vous l'envoie après? Ah, mais... ah c'est bon. Bonne idée, monsieur le maire. Oh, ben. Attention. Yes. Super. Donc, bonsoir. Je suis venue accompagnée de mes élèves de secondaire 1 aujourd'hui. Ils ont une demande à vous faire, alors je vais les laisser parler et je suis sûre qu'ils sauront vous convaincre. On écoute. Bonjour. En fait, nous, on vient ici pour vous dire que Robert Ravel, c'est une école de théâtre. On a la chance d'avoir une salle de spectacle, mais malheureusement, en termes de bibliothèque, nous n'en avons pas. Seulement bientôt, nous aurons une petite salle qui pourra accueillir une petite collection de livres.
Alors, une petite salle comme ça, ça peut pas vraiment s'appeler une bibliothèque. Fait qu'on aimerait ça pouvoir établir un lien. Puis, dans cette salle, il y aurait un ordinateur ouvert sur le site du catalogue Milligan. Ce qu'on aimerait, c'est que vous mandatiez quelqu'un de la bibliothèque du plateau, située à 1,3 km de l'école, pour apporter des livres qu'on aurait réservés. La fréquence de livraison serait à votre discrétion, mais sachez qu'en plus d'être des artistes, on est aussi des grands lecteurs. On va vous donner un exemple. Si moi, Stella, je veux réserver le livre « Roméo et Juliette » de Shakespeare, je n'aurais qu'à me rendre à notre toute petite salle, prendre l'ordinateur, et taper le livre que je veux sur le catalogue Nilgan. Ensuite, j'écrirai le code du livre sur un fichier de réservation créé par les responsables du comité de bibliothèque. Et ces personnes-là vont pouvoir gérer les commandes et les retours des livres au sein de l'école. Nous pourrions attribuer un compte d'accès spécial aux responsables de notre bibliothèque afin que le système de réservation sache qu'il faut envoyer les livres à notre école lorsqu'ils sont réservés avec ce compte. Mais attendez, il y a un problème. On peut réserver seulement 10 livres à la fois. Est-ce que quelqu'un a une solution? Oui, moi j'ai une idée. En fait, pour ce compte, il pourrait avoir des nombres illimités de réservations. Mm-hmm. Excellente idée, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Ce serait génial que la personne qui nous apporte nos livres se déplace à vélo. Alors, nous avons regardé sur Google Maps et nous sommes situés à 6 minutes de vélo de la bibliothèque du plateau. En acceptant ce projet, en plus d'élargir nos horizons littéraires, vous protégerez notre environnement qui en a grandement besoin. Je sais ce que vous allez vous dire, qu'on pourrait aller le chercher nous-mêmes et que ce serait beaucoup plus facile. Mais on a beaucoup de devoirs, beaucoup de projets avec notre école. Et aussi, en adolescence, c'est très important de voir nos amis et de sociabiliser aussi avec notre famille. Aussi, certains d'entre nous habitent très loin. C'est pour cela que nous voulons mettre en place ce projet. Nous avons amassé plusieurs signatures d'élèves qui supportent notre projet. On va vous les donner dans quelques minutes. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ouverts à vos commentaires et suggestions. Bravo! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de dire quelque chose? Non. C'est bon? OK. Bien, merci beaucoup de vous être déplacé au conseil d'arrondissement, d'avoir attendu votre tour, de venir vous exprimer si clairement avec des propositions concrètes. Donc, on voit que vous y avez vraiment réfléchi. Donc, c'est bien apprécié. Après, nous, on se pose toujours la question, est-ce que c'est faisable? Comment on peut faire ça? Si on le fait avec eux, va-t-il falloir le faire avec toutes les écoles? Pourquoi eux autres, ils ne prennent pas un vélo et ils ne vont pas le chercher? Donc, on se pose ce genre de questions-là. Et je pense que votre démarche est tellement sérieuse que ça vaudrait la peine qu'on ait une rencontre pour pouvoir en discuter plus en détail puis échanger. Ma collègue Laurence Parent est la responsable de la culture. Et on a, juste à côté de vous, Mme Olivier, qui est la directrice de la culture. Donc, Mme Olivier pourrait peut-être déléguer quelqu'un de son équipe avec Laurence pour vous rencontrer, puis vraiment voir, aller plus en détail sur c'est quoi votre idée, comment on peut faire ça, puis comment, surtout, en fait, l'objectif, c'est surtout que on encourage votre goût de la lecture. On ne veut pas que ce soit un empêchement, le fait que la bibliothèque ne soit pas là. Donc, si on est capable de trouver une façon pour que vous ayez accès aux livres plus facilement puis que vous continuez à lire, on va le faire avec plaisir, mais on va discuter là-dessus. OK? Donc, on a le coordonnées d'Alexia, j'imagine, dans la liste là. Donc, on pourra prendre contact avec vous. Puis là, comment ça marche au conseil d'arrondissement? C'est que là, on vous donne une réponse, mais si jamais vous n'êtes pas complètement satisfait, vous avez le droit de reposer une sous-question. Donc là, vous avez le droit, si vous voulez aller... Ça va?
OK. Oui, ça, il faut la laisser au secrétaire d'arrondissement, Maître Groux, qui est là. Parfait, merci. Et on va prendre contact avec vous là, pour donner des suites à votre demande. Merci. Si c'est un devoir, je pense que ça mérite un 100%. Bravo. Un bel exercice d'apprentissage de la démocratie. On continue? Oui, alors c'est au tour de Mme Francine Grenier. Bonsoir tout le monde. Moi, ça n'a rien de culturel. Ça n'a rien, mais ça fait partie de l'arrondissement. Ça fait plusieurs fois que je me demande, c'est des plaintes, que je demande qu'on améliore l'entretien, les déchets. Moi, en arrière de chez moi, j'ai un bloc de 21 logements qui est situé sur Avenue Hôtel de Ville, qui est juste en face de vous autres. Moi, depuis 2021 que je fais la demande, je donne des photos, j'ai donné des documents. J'ai donné le nom du propriétaire, qui est M. Coulombe, pour les fameuses poubelles qui traînent dans la ruelle, qui finalement sont accumulées. Des fois, ils traînent sur le trottoir. Là, il y a trois poubelles vertes pour la collecte. Voyons, pas pour les déchets, là, mais les poubelles vertes. Le recyclage. Oui. Là, il y en a trois. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de poubelles noires. Puis, la semaine passée, les bombardiers ont passé à 3h30 du matin pour mettre du sel. Alors, les poubelles, là, au lieu d'être rangées à bonne place, bien là, se sont ramassées dans la rue, sur le trottoir, puis qui restent là. Il y a des photos. Il y a deux poubelles vertes se sont ramassées de l'autre côté de la rue, renversées, puis ça fait depuis mercredi qu'ils sont là. Puis il y a un autre qui est rempli puis qui déborde sur le trottoir. Alors, comme ça fait quand même trois fois, puis j'ai pas vu d'amélioration comme telle suite à mes demandes. Moi, j'ai le 58 qui est juste à côté de la ruelle, puis j'ai tout le long jusqu'au boulevard Saint-Joseph. Je suis, comme on dit, la propriétaire de tout ce coin-là. Mmh. Et depuis le temps que je demeure là, j'en ai pas vu d'amélioration. Juste de mois de janvier jusqu'au mois de juillet, il y avait un concierge qui s'occupait de ça, de ramasser le tout. Mmh. Il était efficace. Mais c'est le seul temps où il a été efficace. Il n'y en a pas d'autre. Puis j'ai déjà fait la demande à M. Coulombe, c'est-à-dire la responsable. Il n'y a pas eu de changement, il s'en fout. Mm-hmm. S'en fout royalement. Même les locataires qui sont là, il y a pour certaines personnes que je discute avec eux qui sont bien corrects, eux autres même l'admettent. Alors moi, je veux que ça change, vraiment. Là. Je suis tannée, je me déplace. Des fois, j'ai de la misère à me déplacer. Mm-hmm. Puis je me déplace quand même ici pour avoir quelque chose de concret et d'efficace. OK. Là, j'ai encore les photos que j'ai prises aujourd'hui. OK. Et puis là, si vous vous rendez demain, vous allez voir que du côté de la rue, il y a deux grosses poubelles vertes qui sont là, qui appartiennent au 5026 Avenue Hôtel de Ville. Bonjour, Mme Grenier. On a déjà discuté ensemble. Mm-hmm. En 2018. On avait envoyé à l'époque des inspecteurs et la situation semblait avoir... s'être amélioré. Est-ce que c'est récemment que ça s'est dégradé? C'est toujours le même propriétaire? Il y a eu des changements? Oh, c'est toujours le même propriétaire. Il y a eu un concierge de janvier jusqu'à juillet qui s'en occupait, puis j'ai pas eu à me plaindre parce que même sur le trottoir puis dans la rue, il ramassait les choses. Mm-hmm. Mais je l'ai rencontré puis il m'a dit depuis le mois de juillet, il paye la totalité de son logement. Alors, ça veut dire qu'il s'occupe plus de rien à l'intérieur du bloc. Alors là, si vous vous rendez, vous allez voir, sur le long du trottoir, il y a des bouteilles, il y a des sortes de choses, de cochonneries qui traînent. Puis là, comme c'est l'hiver, si les poubelles ne sont pas ramassées, ne sont pas mises à leur place, bien, les bombardiers vont carrément les mettre un peu partout, puis là, on va se ramasser avec toutes les poubelles à l'envers. Puis en plus de ça, il y a une cour à l'arrière qui pourrait aménager pour mettre les poubelles, puis les sortir quand c'est le temps. Puis une petite question que je pose là-dedans, est-ce que la ruelle, c'est public ou privé? Parce que si c'est public, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut laisser traîner les choses là à l'année longue?
Même si c'est public, la réglementation s'applique là, en ce qui concerne, excusez, je ne veux pas prendre votre place, en ce qui concerne la salubrité de nos, mm-hmm. de nos rues, il y a des moments bien précis pour sortir les collectes et ce n'est absolument pas acceptable. Je pense que M. Doré là, sera, va s'occuper, là, on a pris les coordonnées. Moi, j'ai encore toutes les informations concernant votre immeuble et l'immeuble dont il est question et puis on va faire un suivi. Mais j'aimerais que ce M. Coulon là, qu'il y ait au moins des amendes à un moment donné, oui, qu'ils comprennent l'efficacité de la chose puis qu'il n'est pas tout seul dans ce secteur-là. Même s'il n'habite pas, moi, j'ai le respect d'entretenir le coin puis c'est visible. Mais si je suis tout seul à ramasser les cochonneries dans mon stationnement, j'ai l'impression de faire affaire. C'est, ça n'a pas de mots de bon sens. OK. Donc, laissez-nous au secrétaire d'arrondissement votre liste et M. Doré, qui est le directeur de travaux publics, va s'assurer d'envoyer un inspecteur ou une inspectrice demain pour mm-hmm. vérifier. Et si elle est en mesure d'identifier à qui sont les poubelles, elle va pouvoir émettre des constats d'infraction. On va s'assurer d'y avoir un suivi rigoureux, puis peut-être qu'il va convenir que c'est peut-être mieux d'en payer un concierge que faire ça, que payer les amendes de l'arrondissement, mais on va le suivre de près dans les prochaines semaines. Peut-être on ne peut pas être en aller-retour discussion comme ça. C'est au conseil d'arrondissement, c'est une question, une sous-question, okay. puis après c'est... Mm-hmm. Je ne voudrais pas qu'on poursuive. On a le document. Si vous avez besoin, vous pouvez discuter avec Mme Plourde, si vous avez déjà ses coordonnées, okay. puis le directeur des travaux publics. Ses coordonnées. Ben, moi, je l'ai, là. J'ai trouvé votre courriel. Fait que je vais vous faire un coucou. Vous aurez juste à me répondre. C'est bon? Merci. Ça fait plaisir. Je fais ça drette, là. S'il ne se passe rien, ben, dites-le à Mme Plourde. Nous, on veut s'assurer qu'il se passe quelque chose. OK? Merci. Monsieur Luc Martin, c'est à vous. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillères, Monsieur Norris. Luc Martin, comité des citoyens de la rue Clark, aussi signataire d'une pétition qu'on a mise en ligne la semaine passée, « Sauvons le parc sans nom », suite à ce qu'on a vu qui s'est déposé au dernier conseil d'arrondissement là, pour le parc à chiens, là, où commencer. Fermeture de la bretelle Valorm, création du parc sans nom, investissement de l'arrondissement de 300 000 $ pour verdir l'ancien dépôt municipal. Puis, à ce moment-là, il y avait des consultations qui avaient été faites avec le comité des citoyens du Myland. Puis, ces recommandations-là étaient qu'on avait besoin d'espace vert pour tout le monde, là, pour que ça soit un lieu de diffusion, de culture, de plaisir, là. Et puis, ben, les inquiétudes, c'est qu'on se précipite dans l'octroi d'un terrain qui est précieux, utilisé, peut-être un peu moins dans ce temps-ci, parce que il y a des utilisateurs qui se sont appropriés le terrain, puis qu'ils laissent des choses derrière eux qui fait que ce n'est pas agréable aux familles pour aller y glisser ou juste y marcher. Là. Donc, excusez, je ne suis pas habitué. Là. Je viens juste quand il y a des choses qui nous interpellent. J'ai pris une petite note ici. Oui, c'est ça. OK. Pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal, là, y a-t-il une politique d'implantation d'un aménagement et aire d'exercice canin? Est-ce qu'il y a une politique qui existe? C'est ça ma question. Donc, on n'a pas... Merci pour votre question et d'être présent ce soir. On n'a pas une politique qui existe spécifiquement sur les parcs canins, ou bien je ne la connais pas, mais on a des règles d'aménagement des parcs ou des aires d'exercice canin qui existent. On en a aménagé... on en a quelques-uns sur le territoire. On va en ajouter un dans le parc Jeanne-Mance. On sait qu'il y a une demande depuis plusieurs années d'en avoir un dans le Myland. Donc, évidemment, on regarde toutes les options possibles pour s'assurer qu'on soit capable d'avoir un espace dans le Myland. Si je peux me permettre, c'est ça. L'idée, c'est que c'est notre rôle de proposer une infrastructure quand il y a un besoin. Puis comme on s'est dit au dernier conseil,
la réalité des propriétaires de chiens qui ont besoin d'avoir un endroit sécuritaire, bien aménagé, pour pouvoir pour que leurs chiens puissent faire de l'exercice, puis aussi un espace de socialisation. Et c'est quelque chose qui existe dans le Mayland, puis qui, pour le moment, il n'y a pas d'infrastructure pour accommoder ce besoin-là. Donc, ce qu'on regarde en ce moment, c'est qu'on cherche un espace. Cet endroit-là, qui jouxte un parc qui est de dimension respectable, qui jouxte cet endroit-là, nous apparaît comme un endroit qu'on pourrait étudier. Donc, vous avez droit à une sous-question. Oui, je vais la penser, là, mais je vais faire ça vite. Moi, j'aimerais qu'on ait plus d'arbres, plus de verdure dans le parc sans nom. C'est ça que je voudrais. En plus de savoir c'est quoi les règles d'implantation d'un parc canin. C'est ça que je veux. Les chiens aiment ça aussi beaucoup, la verdure. Les parcs canins, c'est aménagé aussi. Il peut y avoir des petits arbustes pour les plus petits chiens. Il y a toutes sortes d'aménagements possibles. Ouais. En tout cas, je ne prendrai pas le temps de tout le monde, là, mais en ce moment, les chiens sont acceptés dans le parc sans nom comme tout le monde est accepté dans le parc sans nom. Tout le monde y trouve sa place. Tout le monde y trouve un endroit à toute heure du jour. C'est convivial, c'est agréable. C'est pas plein de bitume, il y a de la verdure. Mais en ce moment, il y a un procédé qui s'est enclenché de parc à chiens. Il y a une pétition pour ça. Fait que nous, on est là pour s'assurer que ce qu'on avait décidé en 2016 continue puis soit bonifié. L'arrondissement a quand même mis 300 000 $ là-dedans. Là. Un parc à chiens inclusif, c'est ça? Non, non. J'ai pas dit ça, là. Mais nous aussi, on peut le dire, peut-être, un parc à chiens. Ouais, je vais arrêter là-dessus, parce que je veux pas être désobligeant. Oui, puis on veut éviter que ce soit des périodes d'échange et de discussion entre deux individus, donc vous attendez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci. Au tour de M. Alain Vinet. Oui, allez-y. Je dirais qu'on était très surpris de voir que dans le libellé du sondage qui passait, on décrivait le parc sans nom comme un endroit vacant. J'habite depuis 35 ans à 2 mètres, à quelques mètres de ce qui est devenu le parc Lassa et le parc sans nom, et ce n'est pas un espace vacant. Maintenant, je sais que vous avez besoin, que vous allez devoir faire l'équilibre entre différentes demandes. Je vous demanderais, ma question, c'est est-ce que vous avez l'intention de faire un bilan des activités qu'il y a actuellement dans ce parc-là pour voir si, effectivement, qu'est-ce qu'il faut respecter et qu'est-ce qui est possible? Et si oui, comment pensez-vous faire ce bilan-là? Vous allez avoir droit à une sous-question, donc... De quel sondage vous parlez, M. Vinet? Le sondage canin, pour le parc canin, pour transformer le parc sans nom en... L'arrondissement n'a pas mis de sondage en ligne? Il y en a un qui circule actuellement. Ce n'est pas un sondage de l'arrondissement? Ben, c'est une pétition, ou je ne sais pas. Oh, ça, oui, ce n'est pas la même chose. Mais l'arrondissement n'a pas lancé un sondage autour d'un parc canin. Il y a des gens qui ont lancé une pétition en ligne. C'est leur initiative, ce n'est pas la nôtre. Oui, c'est ça, mais quand on a lu le libellé, oui. Pour nous, que ça soit décrit comme un espace vacant, ça nous semblait... C'est le choix des mots des gens qui ont initié cette pétition. Alors, je vous les rappelle. Mmh. Ouais. Et est-ce que vous allez faire un bilan de ce qui se passe là? Si oui ou non, c'est un espace vacant. Je voulais juste donner une information concernant l'usage du parc. Ce lieu-là, on avait décidé au départ de ne pas le programmer pour voir comment il allait vivre, comment il allait s'incarner à l'intérieur même de l'arrondissement et du district du Mayland. Et on s'était donné un petit moment pour voir quelle serait la nécessité, quelle serait la fonction qui serait le plus optimale pour ce parc-là. Donc, on s'est laissé quand même beaucoup de temps. On n'a pas encore pris de décision. Juste vous mentionner que ça pourrait faire partie d'un usage. Et je voudrais aussi mentionner que les parcs ne sont pas, si jamais il y avait une aire d'exercice canin, c'est pas fermé, c'est pas exclusif à un petit groupe. Moi, ma fille, on n'a pas de chien chez nous. On habite dans un troisième étage. Elle aimerait ça avoir des chiens. Je dis non, il n'y aura pas de chien chez nous. Mais elle aime ça, aller faire un tour dans les airs pour pouvoir aller voir des chiens, puis aller flatter des chiens. Puis avec ses amis, ils font ça. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert à la population. Les aires d'exercice canin sont également des beaux endroits de verdure et je ne voudrais juste pas
on ne dit pas qu'on va en faire un, mais il ne faut pas voir ça aussi comme un fléau. Là. Non, je ne vois pas comme un fléau. Mais, c'est tout pour moi. Donc, vous y allez avec votre sous-question, c'est ce que je comprends? Allons-y pour la sous-question. Quand vous dites que c'est un espace commun, avez-vous vu beaucoup de tables de pique-nique dans des aires canettes? Il y en a. Ah oui, les gens vont faire des fêtes dans les parcs canins. Moi, j'en ai pas vu. Ben, c'est pas le même usage, mais... Donc, ben, on comprend, puis vous comprenez aussi, parce que vous l'avez souligné, que nous, notre travail, c'est de conjuguer les différents besoins, d'entendre les différentes préoccupations, d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire, de prendre en compte toutes les préoccupations des citoyens et des citoyennes, qui sont toutes légitimes. Puis, en bout de ligne, ben, on va prendre une décision, mais la décision, elle n'est pas prise à ce jour-ci. On est encore en analyse. C'est une des options qu'on analyse. Il n'y en a pas 56 000 options, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais on va continuer cette réflexion-là. Puis, n'hésitez pas à continuer à nous partager vos préoccupations là-dessus. Mais éventuellement, on va prendre une décision parce qu'il faut qu'on fasse des arbitrages sur les différents besoins et les différentes positions des citoyens et des citoyennes. Prochaine. Dernier intervenant sur le même thème, M. Alain Pétain. Pardon? D'accord, merci. Prochain intervenant ne veut pas être filmé. M. Argun Malik. Bonsoir. Chers élus, conseillère parents, conseillère Jugère, maire à moins. Tout simplement, c'est pour un suivi de la piscine dans le dossier de la piscine du parc Baldwin si vous avez pris une décision définitive par rapport à la relocalisation dans la partie nord entre Follum, Guindon et Chapelot. Si c'est possible d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, vous étiez là le mois dernier, hein, oui. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a pris une décision définitive? Pas encore, mais on y arrive parce que les analyses de sol viennent tout juste le consultant a fourni les analyses de sol au service de l'environnement de la ville-centre qui fait les analyses. Jusqu'à maintenant, sommairement, ce qui ressort, c'est que ça serait vraiment plus approprié de faire la piscine, de construire la nouvelle piscine Baldwin dans la partie nord, comme on avait discuté la dernière fois, mais il nous reste à confirmer que notre lecture préliminaire des analyses de sol, que ça va être bien ça. Mais si la tendance se maintient, la piscine Baldwin va être dans la portion nord du parc Baldwin. Et on va préserver les autres activités, on va les relocaliser dans les autres portions du parc Baldwin. OK. Puis, sous question, ça comprend aussi la patinoire extérieure, la patinoire de hockey avec bande? Oui, tout à fait. Donc on ne va pas la construire cet hiver, donc cet hiver, les bandes sont déjà installées. dans le prochain, la nouvelle mouture du parc Baldwin avec une piscine, il va y avoir une piscine, il va y avoir une patinoire, il va y avoir du soccer, il va y avoir de l'agriculture urbaine, il va y avoir les mêmes fonctions qu'actuelles, mais redistribuées différemment. Comme je vous expliquais la dernière fois, notre priorité numéro un, c'est de trouver une place pour la piscine Baldwin. Et une fois qu'on va avoir confirmé son emplacement, le reste va s'ajuster, parce que le reste est beaucoup plus facile à déplacer que la piscine. Okay. Mais il va y avoir une patinoire. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Au tour de M. Joshua Wolf. Bonsoir, M. le maire, mesdames les conseillères, M. le conseiller et mes concitoyens. Je suis urbaniste de formation, alors je vais vous parler du processus de PPC Moi. Comme vous le savez, plusieurs parmi vous, vous savez, comme citoyen, je tiens très, très à cœur le plateau. Et comme vous, je trouve très important la participation publique dans les décisions urbanistiques pour notre cher arrondissement. Alors, pour un processus de PPC Moi, ça a été adopté dans l'ère de Jean Drapeau.
Alors, c'est comme le minimum pour tout le Québec. Vous savez très bien que le plateau, c'est un arrondissement, une communauté très dense. Et que les lois, les dispositions par la loi, dans la loi, sont conçues pour tout le Québec. Alors, je vous encourage de regarder le processus des 14 étapes de PPC, moi, comme étant le minimum. Mais le plateau, je pense, pourrait faire mieux et plus. Alors, c'est très important, la transparence et l'information. Alors, ma question principale, c'est que, est-ce que vous allez rendre public tous les documents, les décisions, les analyses, les avis des fonctionnaires, les recommandations de CCE, du Conseil de patrimoine et les autres, votre sommaire décisionnel, envisagez-vous de le rendre public d'avance pour que les citoyens puissent partager avec vous le processus de réflexion sur un projet? Évidemment, oui, je parle de la numéro 1 Van Horn parce que c'est le PPC moi qui est à discuter en 2023, mais c'est aussi pour vous faire part de l'importance que le plateau peut utiliser les dispositions d'une loi, mais pour aller plus loin. Le PPC moi demande juste une rencontre publique. C'est très intéressant d'avoir un sondage, mais un sondage ne peut pas être en soi suffisant. Il y a beaucoup de processus, des outils comme comme l'Office de consultation publique, des tables de concertation dans d'autres arrondissements et d'autres villes. Les CCE se rencontrent en public. Vous pouvez envisager plusieurs façons d'avoir une discussion en public, un trialogue, parce que les promoteurs, évidemment, sont importants. Alors, ma question principale, c'est que est-ce que vous pouvez envisager une façon d'aller beaucoup plus loin que ce qui est demandé dans la loi pour le PPC moi? Je vais juste introduire, parce que votre question est plus large que le 1 Van Horn, mais votre préoccupation principale, c'est sur le 1 Van Horn, pour être sûr que dans ce processus-là, on ait une participation publique plus large que les règles minimales par le PPC moi. Tous nos documents qu'on dépose en conseil d'arrondissement sont publics le vendredi? Trois jours avant le conseil d'arrondissement, ce qui permet aux gens de poser des questions, d'intervenir là-dessus à l'avance. Nous, on les voit pas tellement tant que ça avant trois jours. Ça nous permet de les discuter, de les reconsidérer, puis de décider qu'est-ce qu'on met vraiment à l'ordre du jour. Le jeudi, avant le conseil d'arrondissement, qu'on finalise et l'ordre du jour est public le vendredi, puis vous avez accès à tous les documents. Donc ça, c'est quand même un exercice de transparence qui ne se fait pas partout au Québec et qui a été démarré dans le plateau bien avant moi, mais sous Projet Montréal. Ça a été le premier arrondissement à rendre public les sommaires décisionnels avant les conseils d'arrondissement. Sur des projets de grande envergure, des consultations publiques, on en fait plusieurs. Quand on réaménage des parcs, quand on fait des projets de plus grande envergure, on fait des consultations même si on n'est pas obligé. On le fait parce qu'on pense que les citoyens et les citoyennes peuvent enrichir le débat public, peuvent enrichir les propositions, puis on peut faire des meilleurs projets en les consultant. C'est pour ça qu'on le fait. Et dans le 1 Van Horn, je sais que Marie Plourde l'a nommé tout à l'heure, mais je vais la laisser présenter, mais je pense qu'elle a un peu mis la table à cet effet-là. J'aimerais également mentionner que nous déposons, alors ça devient public, tous les comptes rendus des séances du comité consultatif d'urbanisme, où vous retrouverez également les avis de nos services, de nos professionnels. Donc, c'est là, c'est en ligne. Alors, si vous voulez voir, si vous voulez retrouver la séance où il a été question du 1 Van Horn, c'est tout à fait possible de le retrouver en ligne. Donc, ça, c'est pour l'information. Est-ce qu'il y a moyen de bonifier? Il y a plein de façons de bonifier, mais nous, on a déjà vraiment beaucoup bonifié le processus de consultation. Je rappelle nos assemblées de voisinage. Donc ça, c'est maintenant obligatoire à tous les projets, qu'ils soient dérogatoires ou pas. Le propriétaire d'un immeuble qui désire faire un projet de construction, d'agrandissement, de transformation, de démolition, doit, avant même de débuter le processus, rencontrer les citoyens et leur présenter le projet. Donc, il y a déjà une discussion là qui se fait, et ça, c'est sur l'ensemble du territoire du Plateau Montréal. C'est exclusif au Plateau Montréal. C'est un processus qu'on a débuté en 2019 et on l'a amélioré
rencontrés récemment. On a travaillé justement avec, c'était Vivre en ville? Oui, c'est ça, Vivre en ville, pour améliorer le processus, afin qu'ils répondent encore mieux là, aux besoins des citoyens et aux demandes justement de comprendre et de compréhension des différents processus. Alors, tout ça pour dire qu'on n'est vraiment pas, fermé là, aux discussions. Au contraire, ça fait vraiment partie de l'ADN là, de notre administration sur le plateau Mont-Royal. Puis, on est toujours ouvert aux bonnes suggestions. Donc, il y a matière à réflexion. Merci. Est-ce que je peux poser une sous-question? La possibilité d'un référendum, est-ce que vous savez combien de personnes habitent dans les zones contiguës au numéro 1 Van Horn? Parce que c'est tellement un espace industriel, les zones sont tellement petites sur le plateau. Est-ce que vous avez une idée? Étant donné que c'est différent pour chaque demande, ben là, dans ce cas-ci, là, ça répondrait tout aux mêmes zones, là, mais c'est un savant calcul de M. Groux, là, puis je pense pas qu'il puisse sortir ça de sa poche sans avoir analysé là, le territoire. Il y a plein de petites zones aussi autour, donc ça demande si on avait eu la question un petit peu plus tôt, on aurait peut-être pu trouver cette réponse-là, mais on peut vous la communiquer certainement, M. Wolf. Est-ce que c'est possible que c'est zéro personne? Zéro personne. Parce que c'est industriel, la zone, c'est la limite de l'arrondissement. C'est jusqu'au nord, c'est l'arrondissement adjacent. Et si oui, si c'est zéro, disons que c'est cinq personnes, cinq ménages, est-ce que vous pouvez envisager d'élargir, encore une fois, d'élargir ce qui est le minimum qui est demandé par la LAU? Ben, écoutez, ça demande vraiment des discussions plus approfondies. Là. Je ne peux pas répondre comme ça sur le coup, mais on aura des discussions puis on pourra s'en reparler. Merci. Donc, on n'est pas encore en train d'adopter un projet, hein. Faut se comprendre. Là. On est un premier dépôt d'un propriétaire. Il y a un long processus devant nous. On veut s'assurer que ce projet-là, il y a un débat public dessus. C'est un projet qui est symbolique, pas juste pour le Mile End, pour Montréal. Donc, on ne fera pas le minimum requis, soyez assurés de ça. Et on va trouver la réponse sur le référendum pour vous la communiquer. Mais je vous assure qu'on va avoir un processus de discussion publique sur ce projet-là, très rigoureux et ouvert et transparent. Merci. Prochaine intervenante, Mme Claudine Chirardin. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur et Mesdames les conseillères. Je viens au nom du comité des citoyens du Mile End vous parler du CPE Alexis Le Trotteur. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément. D'ailleurs, je vais vous déposer aux deux conseillères et à Monsieur Rabouin une lettre que nous avons écrite. Nous sommes très inquiets parce que bon, ce CPE est là depuis 37 ans. Il y a 70 enfants qui le fréquentent tous les jours, qui habitent tous dans un espace très restreint près du CPE, qui arrivent à pied, en bicyclette, en poussette. Mais en tout cas, les parents ne sont pas obligés de prendre une voiture pour aller au CPE. Et en 2021... le directeur du CPE, Guy Arsenault, s'est fait dire, parce que je ne suis même pas sûre qu'il ait reçu une lettre pour ça, qu'il devrait quitter, le CPE devrait quitter le bâtiment dans lequel ils habitent, au 5611 de l'avenue de la rue Clark, et que ça devrait se faire pour le 30 juin 2023. C'est dans 6 mois, 7 mois. Entre-temps, il a paniqué un peu, évidemment, comme nous paniquons comme parents du quartier. Et il a fait des recherches à droite et à gauche pour voir s'il se trouvait un autre lieu pour héberger tous ses enfants et le CPE. Il n'a rien trouvé. Ça nous inquiète énormément. Le bâtiment appartient à la CSSDM, le Centre de services scolaires de Montréal, qui dépend du ministère de l'Éducation.
Ma question ce soir, en fait, c'est de vous demander, est-ce que vous pourriez envoyer une lettre, vous, pour soutenir les résidents de votre quartier et soutenir la qualité de vie de tous ces résidents? Est-ce que vous pourriez, l'arrondissement pourrait envoyer une lettre au ministère de l'Éducation pour leur demander de protéger l'existence de ce CPE dans ce bâtiment-là? Parce que ça n'a comme pas de sens d'expédier, on ne sait pas où, tous ces enfants et ses parents. D'accord, merci pour votre présence ce soir. Donc, absolument, donc la lettre est presque partie, c'est ça. Donc, j'ai demandé la vérification si elle était partie ou pas, là, parce que j'ai demandé qu'on envoie une lettre, effectivement, au ministre avec copie de la motion qui a été adoptée à l'unanimité au dernier conseil municipal, qui demande au gouvernement du Québec de ne pas expulser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu ça pareil, aucun organisme communautaire ou CPE dans ces bâtiments avant d'avoir trouvé une solution. Il n'est pas question de faire une vente de feu, on se retrouve dans une situation d'urgence, puis on ne peut pas procéder comme ça. Il faut prendre le temps de trouver, d'identifier des solutions. Et nous, la Ville, on est prête à discuter avec le ministère, avec le CSSDM, pour essayer de trouver des solutions. Donc, oui, on va écrire au ministre. Et en plus, ce qui est particulièrement absurde dans ce cas-ci, c'est qu'on a un centre de la petite enfance qui est installé dans un édifice qui appartient au gouvernement du Québec, sous la responsabilité du ministre de l'Éducation. On va le chasser, on va l'obliger à s'installer dans un autre édifice aux frais du ministre de la Famille. Parce que c'est qui va payer au bout de la ligne? C'est le ministère de la Famille, parce que le CPE, il va être installé avec l'argent du gouvernement du Québec. Donc, on déplace un problème, puis en ce moment, on n'a pas la solution. On va le déplacer, mais on ne sait pas où. Donc, nous, bien sûr, on va écrire au ministre, on va lui partager nos préoccupations, et on est tout à fait ouvert à discuter, mais il faut qu'on trouve, une solution. C'est un CPE qui est important dans le quartier et il répond à des besoins, donc on ne peut pas l'envoyer à 10 km. Là. Donc oui, on va faire ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça me rassure un petit peu, parce que c'est une situation complètement ridicule. Le bâtiment appartient au ministre de l'Éducation, le CPE dépend du ministère de la Famille, puis ils n'arrivent pas à se parler ensemble. Alors on espère que ce que vous faites influencera leur décision. Je vous remercie. Merci à vous. Je peux vous remettre... Et peut-être qu'une conseillère de Marlène veut ajouter... Je voulais juste mentionner qu'on partage cette préoccupation-là. Monsieur Gros. Ici, madame. Monsieur, ça, c'est des lettres qui... Ah oui, ça doit passer par là. On a rencontré M. Arsenault, Marie et moi. On a eu des discussions avec la députée locale, Mme Rouba-Gazal, qui a commencé à faire des démarches auprès du ministre Drainville. Et donc, on essaie vraiment de trouver cette solution-là. Et on est vraiment tous et toutes très préoccupés parce que, comme vous le dites, ça fait partie de cette dynamique de la ville à échelle humaine. On a besoin d'avoir des endroits proches pour faire garder nos enfants. On a eu un petit baby-boom sur le plateau Mont-Royal, alors il faut être aussi... on ne veut surtout pas avoir à se départir d'un CPE qui est pour nous très, très précieux. Alors, sachez qu'on est... On travaille très fort sur ce dossier-là. Prochain intervenant, M. Simon Dubois. Bonsoir à tous. Donc, nous non plus, je ne suis pas très familier de ce contexte. Alors, je m'adresse... Vous vous adressez à moi, c'est pour ça. Excusez-moi. Ah, le micro a sauté. C'est ton micro? J'ai touché mon micro. Ah, OK. Ah, oui. Bon. Oui? C'est moi. Donc, je suis un père de joueur de hockey. Donc, c'est dans ce contexte-là que je m'adresse à vous. Donc, je vais vous poser ma question générale, donner un contexte et réitérer ma question à la fin pour comprendre. C'est-à-dire que ma question, c'est comment contrebalancer une iniquité importante,
pour les jeunes hockeyeurs du plateau, du centre-sud et de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, c'est un dossier un peu complexe. Là, c'est pour ça que je vous explique un peu le contexte. On a beaucoup d'acteurs dans ce genre de dossier. D'une part, on a la structure du hockey, Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Montréal. Et on a aussi la structure des arrondissements, la structure physique des infrastructures, que ce soit les arénas et les autres usages qu'on peut avoir dans les arénas, que ce soit du patinage artistique, du hockey féminin. Et donc, il y a des usages qui sont locaux, puis il y a des usages qui sont régionaux. Et en fait, pour des raisons qui sont géographiques, on est des quartiers centraux, nécessairement, les infrastructures centrales sont sollicitées davantage. Et on a des organismes plus régionaux, et là, je ne veux pas tirer dans les pattes d'un autre organisme pour leur nuire, mais le hockey féminin a élu domicile à l'Aréna Mont-Royal. Or, les trois arrondissements dont j'ai parlé, donc Plateau, Mont-Royal, Hochelaga, Maisonneuve et Centre-Sud, se partagent trois arénas fonctionnelles qui sont deux dans le sud, c'est-à-dire Camille Houde et Francis Bouillon qui sont au sud et est, et Plateau, Mont-Royal, donc qu'on avait antérieurement et qui maintenant est grandement sollicité par le hockey féminin. Or, le hockey féminin dessert une plus grande superficie que cet arrondissement-là. Donc ça vient créer une attrition pour les besoins des hockeyeurs. Je sais que les sports collectifs de ce genre-là, notamment le baseball, sont moins à la mode, mais pour comme père d'enfants qui adore ce sport-là, c'est très intense, c'est un sport très, très physique, mais qui crée une belle fraternité aussi. Et je pense que c'est très sain à la fois au niveau physique, mental, psychologique, dans un contexte où on sort d'une pandémie. Ceci étant dit, quand on se compare avec les autres arrondissements ou les autres clubs de hockey, le club de hockey Centre-Sud, qui est géré par l'association ASCCS... Il va falloir que vous arriviez à votre question parce que vous avez votre 3 minutes, là. Oui. OK, parfait. Bref, on est défavorisé. Les équipes ont de une à moins qu'une pratique par semaine de hockey, alors que les gens de Saint-Léonard, par exemple, en ont 7 par semaine. Donc, au final, au niveau de la compétitivité de l'équipe, c'est très nuisible et donc ça décourage les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui quittent et ça nuit essentiellement à l'équité interclub. Donc là, il faut voir si on ne peut pas répartir l'octroi des temps de glace pour prendre en compte ces distorsions régionales-là. Donc, ça, c'est votre question. Ma question, c'est... Alors, je reviens à ma question. Que peut faire l'arrondissement Plateau en collaboration avec la Ville-Centre pour favoriser une meilleure redistribution du temps de glace entre arrondissements en collaboration avec Hockey Montréal, qui, malheureusement, est géré par un comité de parents qui sont principalement de Saint-Léonard et qui favorisent un petit peu leurs propres équipes. Donc, ça, c'est un peu le contexte. OK. Donc, juste avant de laisser la parole à Maïva Villain, qui est l'élu responsable sport-loisirs pour le plateau, juste que vous sachiez qu'on est bien au fait de la situation. Il y a aussi des gens qui sont venus lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement poser des questions. On a reçu de la documentation. Donc, on est en discussion avec les deux autres arrondissements pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu et ce qu'on peut faire. Puis je vais laisser Maïva compléter. Oui, merci. Effectivement, on a appris il y a à peu près plus un mois et demi, d'autres représentants ont commencé à nous écrire et sont venus au conseil d'arrondissement le mois passé. Suite à ça, moi, j'ai rendez-vous avec deux parents d'ici la fin de l'année pour qu'ils m'expliquent comment, en tout cas des détails de tout ce temps de glace, etc. Donc, juste pour vous comprendre, c'est sûr qu'en ce moment, on vit une situation particulière parce qu'on attend les travaux de réfection de la glace à l'aréna Saint-Louis. Donc, avant, on avait deux arénas, là, on est passé à une aréna. Et de ce que les parents m'ont expliqué, les enjeux sont plutôt pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'avec la fermeture et les travaux qui vont avoir lieu à l'aréna dans Centre-Sud, qui fait qu'on va avoir encore plus de pression sur notre temps de glace sur le plateau Montréal. Donc, en termes, je vous entends. Donc, vous savez que dans le sport, on a souvent ce genre
de conflit entre la pratique libre, ensuite le sport organisé, puis une fois dans le sport organisé, comment est-ce qu'on répartit ça entre les différents sports? C'est quoi l'équité, l'équité territoriale, l'équité de genre, etc. Il y a aussi, donc nous on va travailler là-dessus en arrondissement. On va vraiment comprendre les besoins qui sont exprimés par les joueurs de hockey. Et on va faire une analyse approfondie de nos temps de glace sur le plateau Mont-Royal. On veut vraiment comprendre, nous les élus, quel groupe utilise la glace, pourquoi est-ce que ces décisions sont prises. Donc on va faire ce travail de notre côté. Je veux juste vous parler des complexités, je veux vous rajouter un niveau de complexité. Nous, le sport régional, ce qu'on fait, ce n'est pas l'arrondissement qui décide si c'est tel ou tel organisme. Nous, on dit, notre aréna, on donne à la ville-centre tant d'heures pour qu'elle gère le sport compétitif dont vous parlez. Donc vous, dans le fond, nous, on donne un certain nombre d'heures à la ville-centre et c'est ensuite eux qui décident comment est-ce qu'ils répartissent ce temps-là. Donc dans vos représentations... Je vous encourage aussi à aller voir le conseil de la ville de Montréal si vous considérez que le temps de glace est mal réparti. Mais on va faire notre bout en arrondissement, comme je viens de vous le dire aussi. Je vous remercie. Alors, je sais que les représentations ont déjà été faites, c'est bien. C'est juste de garder en tête que l'équité interne à l'arrondissement ne répond pas à l'ensemble des problématiques qu'on peut vivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit ajusté au niveau de la ville-centre. Et donc, vous avez raison qu'il faut s'envoyer la balle. Mais je pense que la balle a été envoyée déjà par le club depuis 10 ans, semble-t-il, à différents intervenants. Et la problématique, elle est vécue présentement. On a déjà 2 autres parents qui sont dans la salle et qui m'expliquaient qu'au niveau Atome, ils avaient la même problématique. Puis oui, même chose. Et quand on a une équipe de double B qui est un peu plus compétitive, bien là, on devrait avoir au moins 3 pratiques par semaine. Dans les simples lettres, on devrait en avoir 2. Puis souvent, on arrive avec des semaines où on n'en a même pas une. Donc après ça, on a plus de difficultés à être compétitif, c'est évident. Merci. Merci. Au tour de Mme Monique Plourde. Bonsoir tout le monde, les spectateurs. Je viens au sujet de... On va... Excusez. Pourquoi... les résultats de la COVID-19. La rue Boucher, sens unique, de la rue Saint-Hubert à la rue Montanon. Il n'y a eu aucune consultation de fait du secteur concerné. Ça va nous occasionner des détours qu'il va faire encore du CO2 pour aller au marché métro sur la rue Saint-Hubert. Il va falloir faire le tour du carré du Parc Laurier ou descendre jusqu'à Saint-Joseph pour monter à Saint-Hubert. Moi, je ne sais pas, il n'y a eu aucune consultation, mais il semble que le mandat et la mission du projet Montréal, c'est de consulter avant de décider quelque chose. Oui, en plus, il y a eu des plaintes faites au numéro qui a été suggéré au 872-3777, travaux publics. Comment se fait-il que les gens qui ont appelé pour se plaindre de ça, que ces informations-là ne sont pas acheminées au conseil d'administration du plateau? Vous voulez dire que les gens qui font des plaintes, nous, on ne les reçoit pas, c'est ça? Bien, est-ce que je conçois que ça n'a pas été reçu parce que c'est là que le projet est en route. Oui, le projet est en route, mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'on ne fait pas un projet. Oui, mais on n'a pas été consulté, monsieur. Oui, non, je comprends tout à fait. Donc, vous avez posé votre question, je vais vous offrir une réponse, puis ensuite, vous aurez droit à une sous-question. D'accord? Donc, je vais commencer la réponse, puis s'il y a une conseillère qui veut compléter, on pourra le faire. Le projet de réaménagement de la rue Boucher, comme celui de la rue Rivard, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, on a refait complètement une bonne partie de la rue Rivard, qui est une rue très large, pour laquelle on profite pour planter des arbres, ajouter du verdissement. Ma collègue parlait de l'engagement de Montréal qu'on prend en termes de protection de la diversité et d'augmentation de la diversité. Donc, nous, on saisit vraiment les occasions de rétrécir les rues, d'ajouter des arbres quand c'est possible.
et sur Rivard, c'est fait. Et la deuxième portion, c'est la rue Boucher. C'est un projet qui date de plusieurs années, qui était dans notre plateforme électorale. Donc, la consultation, il y a eu une élection il y a plus qu'un an. Il y a un an, et on a mis le projet de la rue Boucher dans notre plateforme électorale pour en faire vraiment une rue beaucoup plus intéressante. Ce n'est pas la plus belle rue à Montréal, hein, quand même. La rue Boucher, les trottoirs sont hyper étroits. Il y a des poteaux d'Hydro-Québec sur le trottoir. Donc, quand vous vous déplacez, c'est difficile pour vous. Mais si une personne est en fauteuil roulant, elle ne peut pas se déplacer. Donc, on doit, de toute façon, élargir les trottoirs, et en élargissant les trottoirs, il manque de surface. Donc, on a un projet qui fait qu'on va avoir de l'accessibilité universelle sur des trottoirs, on va ajouter des arbres, et la conséquence, c'est que ça va être un sens unique. La conséquence, c'est qu'on va faire des détours, puis ça va faire encore plus de CO2 dans l'atmosphère. Puis tout, ça va nous occasionner des dépenses de plus d'essence pour aller faire nos commissions, à sortir, aller voir nos amis. C'est tout des inconvénients majeurs. Puis l'autre sous-question, est-ce qu'il y a eu vraiment de temps de circulation sur cette rue-là? Est-ce qu'il y a eu du comptage de véhicules qui passent sur cette rue-là? Je pense qu'on n'a pas eu de comptage, parce que ce n'est pas une rue où il y a beaucoup de circulation, hein. À part l'épicerie là, qui est au coin de Saint-Hubert et Boucher. Là. Donc là, oui, il y a de la livraison, mais sinon, c'est une rue qui a peu de circulation et qui pourrait être vraiment une belle rue qui connecte le parc Laurier jusqu'au champ des possibles dans le Mile End. Donc nous, c'est comme ça qu'on la conçoit. On veut l'embellir, la verdir, la rendre beaucoup plus agréable pour les gens qui se déplacent à pied et sécuritaire aussi pour les gens qui se déplacent à pied parce que, comme je vous dis, des petits trottoirs qui ne sont pas déneigeables, ce n'est pas très pratique. Bien, en plus, on veut mettre une petite cyclable sur la rue Boucher. C'est pas ils descendent, ils prennent 5 secondes, ils sont rendus à la rue Laurier qui a une belle piste cyclable. Je ne comprends pas ça d'installer une piste cyclable là. Donc, vous avez déjà eu votre sous-question? Oui. Je vous ai déjà donné ma deuxième réponse. Donc, à moins que ma collègue veut... Non, ça pas ajouter. Mais c'est ça, les plaines qui ont été faites au 872-3777, c'est pas acheminé au conseil d'enregistrement, les résultats de ça? Bien, on va demander d'aller les chercher. On va aller les chercher, nous, les plaintes, pour savoir qu'est-ce qui s'est dit. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne soirée. Avant de poursuivre, monsieur le maire, nous avons expiré le temps prévu. Alors, monsieur Norris, vous proposez une prolongation? Qui appuie? J'appuie. Madame Villain? Alors, nous poursuivons. Prochain intervenant, M. Richard Faneuf. Bonjour, M. le maire et conseiller. Conseillère, je gère du logement social. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour défendre le logement social. À Porte Jaune, dont je suis président, nous offrons du logement à des femmes victimes de violences, des réfugiés, des sans-abri, des personnes avec des problèmes de santé mentale. Et nous ne pouvons plus payer les hausses de taxes. Laissez-moi vous dire, les élus de Plateau-Montréal ont honoré Félix Lambert et Lucia Kuala pour avoir retiré 135 logements du marché spéculatif. Malgré ça, le service d'évaluation foncière augmente l'évaluation de 40 % 25 % il y a trois ans. Sachant que la loi 37, adoptée par l'Assemblée nationale en juin dernier, interdit toute organisation sans but lucratif en habitation ayant bénéficié d'un financement gouvernemental de vendre leurs immeubles, c'est le cas pour Porte-Jaune et tous les autres OBL de Milton Park, en toute connaissance de cause, le service d'évaluation augmente l'évaluation de 40 % Le règlement de Plateau-Montréal qui a été adopté 01-227, qui interdit la conversion des maisons de chambre afin de protéger le parc des maisons de chambre existants. Il y a aussi l'article
1.3.5.3 du règlement d'urbanisme du plateau Mont-Royal stipule spécifiquement que les maisons de chambre ne peuvent pas être vendues sauf qu'à un organisme sans but lucratif. Le service d'évaluation en tienne pas compte et augmente l'évaluation de 40 %. Êtes-vous prête à reconnaître à première vue l'incohérence de cette augmentation de logement social? Parce que moi, je trouve ça immoral d'augmenter le loyer plus cher que le taux d'indexation du bien-être. Alors, pourquoi qu'on est augmenté? C'est 5 % cette année, 5 % l'année passée. Ça fait 25 % en 5 ans que nos taxes augmentent. Je n'ai pas les moyens de prendre un sans-abri puis le loger parce que ça, s'il y a un problème de drogue, ça me coûterait trop cher pour mettre l'immeuble à niveau. Alors, on ne peut plus recevoir ces augmentations de taxes. Et savez-vous pourquoi que la taxe municipale n'est pas un problème à Toronto, n'est pas un problème à Vancouver, n'est pas un problème à Calgary, parce qu'ils ont fait de quoi? Comme? Ah! Elle est trop belle, celle-là. Bon, ils ont demandé un taux différencié, mais en attendant, la ville de Toronto, autrefois, quand on envoyait le compte de taxes, la ville de Toronto envoyait l'équivalent du deuxième paiement de taxes à l'organisation. Donc, en bref, les taux des OBNL, du logement social, devaient payer 50 % de leur taxe réelle. OK, je comprends. Donc, soit il y a un taux différencié qui fait que c'est moins cher, soit si on ne réussit pas à faire ça, bien, au moins, de l'autre côté, on assume une partie des coûts en subvention, en subventionnant la moitié du coût de taxe. OK, parfait. Donc, je vais bien, merci d'être venu ce soir. Vous savez aussi bien que moi que la taxe municipale n'est pas une compétence d'arrondissement. Ce n'est pas l'arrondissement qui fixe la taxe. Et je veux revenir sur l'évaluateur. L'évaluateur de la ville, lui, sa job, c'est d'évaluer la valeur des propriétés, puis il ne fait pas de distinction si c'est du logement social ou pas. Puis vous avez raison, parce que ça fait plein de bon sens de dire si c'est un OBNL d'habitation qui est protégé, qui ne peut pas être vendu sur le marché, la valeur de la propriété devrait être moindre parce qu'elle n'a pas de valeur marchande, sauf de le vendre à un OBNL. L'évaluateur, lui, il ne fait pas ces distinctions-là. Non. Il prend toutes les catégories de maisons puis il fait son évaluation comme ça. Puis c'est un évaluateur, c'est juste ça, sa job, lui. Il fait l'évaluation. Il arrive avec ça. Après, il y a les politiques puis il y a les décisions politiques que nous, on prend ici. Mais bon, ça tombe qu'on est aussi l'administration municipale. On est aussi au pouvoir à la Ville de Montréal. Et je pense que votre question rentre bien dans le débat en ce moment qui est sur la fiscalité municipale, qui a été lancé par la présidente du comité exécutif. Vous savez qu'il y a eu un premier forum sur la fiscalité municipale organisé il y a peut-être deux semaines et il y a un autre événement au printemps parce que on s'aperçoit qu'il y a plusieurs problématiques dans notre système. Il y en a une qui est que les revenus de la ville reposent exclusivement aux deux tiers sur la taxe foncière. En 2022, compte tenu des compétences diversifiées des arrondissements, ça ne tient plus la route. Puis là, on a un large consensus qu'on ne peut plus continuer comme ça. Vous savez, quand l'économie reprend, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec reçoivent plus d'impôts sur le revenu. Les gens ils gagnent plus, ils payent plus d'impôts. Il y a plus de TPS, TVQ, donc eux, ils se ramassent avec des grands surplus. Nous, non. À la Ville, on ne partage pas les revenus de cette croissance économique-là parce que nous, on est exclusivement sur la taxe foncière. Puis quand les valeurs augmentent, bien, nous, on diminue le taux de taxe pour pas que les gens payent trop de taxes. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, actuellement, on a annoncé le taux de taxation générale là, à Montréal de 4,1 %, même si l'évaluation est à 39 % ou en tout cas 30 quelques %, la taxe va manquer de 4, pas de 39 %.
donc on diminue le taux de taxe. Donc, je pense qu'avec vous, avec les groupes logements, ça vaut la peine de faire des représentations auprès de la présidente du comité exécutif dans le cadre du chantier sur la fiscalité. Je pense que c'est, elle est là l'occasion de revoir les règles plus générales taxation des OBNL d'habitation dans le contexte où nous, on dit, nous, Projet Montréal, qu'il y a une crise du logement, qu'il faut ajouter de l'offre, qu'il faut protéger les logements existants. Donc, on a du travail à faire là-dessus. C'est quand même votre compétence de réduire à moitié la fraction de la taxe de l'arrondissement. Oh, la taxe de l'arrondissement, ce n'est pas significatif sur votre compte de taxe. C'est 15%. Non, non. Oui, c'est, oui. C'est, ben, écoutez. Vous montrez la taxe. Ouais, vous montrez votre compte de taxe. Mais vous savez que nous, sur le plateau, donc ça va être votre sous-question, ça va être ma sous-réponse, ma réponse complémentaire. Sur le plateau, on a enlevé tous les frais liés à travaux, réalisation de travaux, octroi de permis. On a tout enlevé pour favoriser les projets de logement coopératif, logement social. Vous n'avez pas enlevé le permis d'occupation du domaine public. Ça, c'est la taxe la plus chère. Vous avez enlevé les taxes les moins chères. Oui, mais lui, on ne l'a pas fait parce que c'est pas l'occupation du domaine public, oui, pour des travaux votre, sur OBNL? C'est votre okay. domaine. Non, je ne dis pas que ce n'est pas notre domaine. Je regarde notre directeur parce qu'on a fait, on a enlevé tous les tarifs, mais là, il reste celui-là. Bien, on ne l'a pas fait, on va le faire. Okay? J'ai payé 8 000 $ pour ça. Envoyez-moi une retourne. Oui, c'est ça. Merci. Lâchez pas, M. Faneuf. C'est vraiment un enjeu qui nous tient à cœur. Puis moi, je vous dis, tout ce qu'on peut faire en arrondissement, on va le faire. On en a déjà fait un bon bout. Vous venez nous donner une nouvelle proposition. Puis il faut continuer le débat plus large pour garder des logements abordables à Montréal. Au tour de Mme Catherine London. Oui, bonsoir. Ma question porte sur des bacs de recyclage. Donc, je pense que c'est à Mme Giguère que la question se pose. Il y a quelque temps, quand les réunions étaient encore en ligne, j'avais posé une question par écrit, à savoir si c'était possible de remplacer des sacs de plastique pour notre recyclage par des bacs de recyclage. Puis, on m'avait dit qu'il y aurait un projet pilote dans l'Est du plateau, puis qu'après ça, fort probablement, ça pourrait être répandu au reste du plateau. Puis je me demandais où ça en était. C'est une très bonne question. Le pilote est en cours, ça fait un peu moins d'un an, hein, si je me souviens bien, ou en tout cas ou un peu plus d'un an, peut-être un an et demi à partir de l'été 2021. Je pense que les travaux publics vont avoir des commentaires. On fait un suivi, puis je suppose qu'au moment de prendre la décision, on va nous présenter un bilan de ce projet pilote-là. Ça n'a pas été fait encore, mais j'ai confiance que ça va être fait bientôt. Le maire peut-être en parler, parce que je sais qu'il a eu la chance d'être dans le périmètre du projet pilote. Moi, j'ai entendu des pour et des contre, bien honnêtement, là, par plusieurs citoyens. Il y en a qui trouvent ça génial, mais d'autres ont soulevé que ça présentait certains problèmes aussi. Donc, il y a clairement un bilan à faire avant de l'étendre. Donc, on est là-dessus. D'ailleurs, on en a parlé avec la directrice de l'arrondissement jeudi. On est lundi? Jeudi dernier, pour amorcer le bilan, mais aussi le processus de déploiement, parce que, de toute façon, les sacs, ce n'est pas vraiment une solution, les sacs plastiques. Donc, voilà. Donc, on s'en va vers ça. Ça se peut qu'il y ait des enjeux. On va essayer de faire face aux enjeux. Moi, mon expérience chez moi, c'est qu'au début, les bacs se retrouvent un peu partout garochés. Puis, une fois que les gens ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils garochent, nos employés, qu'il fallait qu'ils les déposent, ben, ça va très bien. Donc, il y a possiblement d'autres enjeux, mais on n'est pas dans un esprit de remettre en question. On est dans un esprit, on va déployer, puis on va identifier les enjeux pour s'assurer que le déploiement se fasse bien. Mais vous n'avez pas d'idée encore quand est-ce que ça pourrait se faire? On n'a pas d'échéancier, mais on pourra, si vous nous reposez la question dans un mois, on va l'avoir. D'accord, merci. Merci. Autour de M. Hubert Lavallée.
Bonsoir. Moi, je viens vous parler au niveau de passage piéton. À prime abord, j'aimerais féliciter l'arrondissement pour les efforts qui ont été mis pour sécuriser les passages piétons, les saillies de trottoirs, etc. Je pense que ça fait, non seulement ça embellit, mais je pense que ça ajoute à la sécurité. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs passages piétons qui ne sont pas situés sur des feux de circulation ou sur des arrêts, où c'est dangereux de passer quand il y a de la circulation. Par exemple, les passages piétons qu'il y a sur la rue Rachel, juste en face du parc La Fontaine. Il y a deux passages piétons. Quand on va au parc, on étire la main, il y a deux, trois voitures qui passent avant qu'il y en ait une qui s'aperçoive qu'il y a un passage piéton et qui décide d'arrêter. Et je pense que c'est problématique. J'ai vu la même situation sur la rue Laurier, le petit parc qui est tout près de Saint-Laurent. Et j'ai même vu d'ailleurs une jeune fille se faire frapper par un vélo parce que il y avait un camion qui bloquait la vue et le vélo ne l'a pas vue. Ma question est à savoir si vous avez pensé pour ce genre de passage piéton d'ajouter des témoins lumineux qui avertiraient encore plus les automobilistes qu'il y a un passage piéton et qu'ils doivent faire attention et freiner, laisser passer les piétons. Alors, est-ce que ça a été examiné? Si ça n'a pas été examiné, est-ce que ce serait dans les cartons de l'examiner pour en ajouter? Merci pour votre question. En fait, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais les installations plus lourdes, la signalisation plus lourde, là, comme vous évoquez avec des feux clignotants qui impliquent de l'électricité, des plus gros objets suspendus ou accrochés. C'est sûr que ça prend de la place dans le paysage, ça ajoute beaucoup, ça charge le paysage où il y a déjà beaucoup de signalisation, beaucoup de stimuli pour les conducteurs. C'est sûr que c'est beaucoup plus clair, mais c'est peut-être pas approprié pour un milieu comme le plateau Mont-Royal où c'est déjà très, très dense et surtout où la circulation est déjà limité à 30 km/h. Dans ces cas-là, toutes les normes, là, les bonnes pratiques en matière de sécurité vont dire qu'une bonne signalisation, un panneau avec le marquage devrait suffire. C'est vrai que ça ne suffit pas toujours, mais je pense que ce n'est pas parce que la signalisation est déficiente. J'ai plutôt l'impression que c'est parce que c'est pas dans nos mœurs, qu'il y en a peu au Québec. Depuis longtemps, c'est pas bien renforcé, c'est pas bien respecté. Partout au Canada anglais, aux États-Unis, il y en a partout des passages piétons. C'est tellement compris que c'est une priorité piéton que tout le monde, les automobilistes, s'arrêtent dès qu'ils voient un piéton et ça fonctionne bien. Donc, je pense que c'est beaucoup plus un travail d'éducation, de sensibilisation qui doit être fait. Par contre, on peut améliorer physiquement, géométriquement la rue. L'exemple que vous avez évoqué sur Rachel à la hauteur là, du parc La Fontaine, on a justement fait une demande à un programme québécois là, au ministère des Transports pour avoir des fonds qui vont nous aider à aménager, élargir des saillies, élargir les trottoirs, faire en sorte que, un peu comme, je ne sais pas si vous pouvez le visualiser, sur la rue Marianne à la hauteur de l'Arena, donc entre Cartier et Bordeaux, à mi-bloc, donc ce n'est même pas une intersection, on a élargi le trottoir, on a fait une saillie et ça fait en sorte que c'est assez clair là, que on est dans un aménagement apaisé où le piéton est davantage respecté, où l'environnement physique parle au conducteur sur un ton un peu plus léger que quelque chose qui flash puis qui est suspendu puis qui vient vraiment prendre beaucoup de place puis alourdir. C'est ça. Donc, ça serait ça ma réponse. Donc, oui, on peut certainement l'améliorer, mais peut-être pas par ce que vous proposez qu'on a l'habitude de penser. Puis c'est vrai que ça fonctionne, mais
peut-être plus sur des rues où la vitesse est plus grande, à 50-70 km/h, puis où on veut vraiment que de loin, un automobiliste puisse pas rater quelque chose. On va y aller plus sur le mode sensibilisation, éducation. Ici, je ne sais pas si ça serait complet. Je demande à notre directeur spécialisé. Il y avait eu une belle campagne, d'ailleurs, de la Société de la science automobile, où les lignes jaunes se levaient dans la face de la voiture qui devait arrêter, parce que c'est comme si ici, on n'a pas appris ça, qu'il y a un passage piéton, il faut arrêter puis laisser passer le piéton. C'est mieux que c'était, j'ai l'impression, en tout cas. On part de loin. En fait, je suis assez d'accord qu'on a besoin de continuer l'éducation à ce niveau-là. Et non seulement au niveau des conducteurs, parce que beaucoup de piétons qui ne prennent pas leur place, qui vont faire signe aux conducteurs de passer alors que c'est à eux de la prendre. Alors, je pense que les piétons aussi doivent prendre leur place. Et en ce sens-là, en commentaire plutôt qu'en sous-question, je pense que je recommanderais qu'il y ait encore des efforts qui soient mis au niveau de l'éducation de la population en général là, par rapport à ces points-là. Mm-hmm. On est bien d'accord. Ouais. Merci. 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 Au tour de Mme Marie-Josée Bourque. Je suis ici pour continuer la discussion sur l'impact de l'installation de la piste cyclable sur la rue Clark. J'étais ici le mois dernier. Donc, pour être efficace, je vous lis ce qui suit. Alors, le projet de pétition soumis à la Ville le 31 octobre dernier pour la révision du tracé de la piste cyclable sur la rue Clark n'a pas été jugé recevable par la Ville puisqu'il traite d'un sujet qui n'est pas sous la compétence de l'arrondissement. En discussion téléphonique avec Mme Grandmaison le 25 novembre dernier, celle-ci m'a informé que le retrait de la piste ne sera pas possible. Si ce n'est pas l'arrondissement qui a la compétence du tracé, moi, je ne comprends pas pourquoi cette information-là m'a été communiquée par Mme Grandmaison. Ensuite de ça, pendant notre discussion, elle a quand même pris la peine de mentionner des mesures qui étaient en évaluation pour peut-être un peu mitiger l'impact sur les résidents. Notamment, elle a parlé de peut-être de trouver des stationnements incitatifs pour les journées de déneigement. Donc, ça pourrait être intéressant. Et sinon, l'autre solution possible serait le retrait de l'interdiction de stationner entre 7h et 9h les jours de semaine sur la rue Saint-Urbain. Donc, autre solution. Donc, bien qu'on évidemment apprécie ces efforts, évidemment, ils ne sont pas encore confirmés, mais surtout, on juge qu'ils ne sont pas suffisants pour redonner aux résidents et commerçants, à ne pas oublier non plus, un niveau de service de qualité de vie acceptable et de qualité de vie acceptable en matière d'accès au stationnement dans notre quartier. La seule façon de retrouver ce niveau, c'est par le retrait immédiat de la piste cyclable sur la rue Clark. Pour soutenir cette demande, on a lancé une pétition nous-mêmes, donc sur la plateforme change.org, et qui est signée à ce jour par plus de 270 personnes. Je vais vous laisser une copie. Et certains ont pris aussi la peine de mettre des commentaires, partager leur expérience. Donc, je vous inviterai à consulter le tout, c'est assez intéressant. Dans la pétition, on a pris la peine de vous proposer une solution. Donc, peut-être de considérer un nouveau tracé. On était ici dans le mois dernier et on a senti évidemment qu'il y a un besoin. Donc, de pistes cyclables, on ne remet pas ça en question. Donc, on a proposé une solution, donc un nouveau tracé sécuritaire qui permettrait aux cyclistes de se diriger vers le nord. Donc, on a compris que c'était ça l'intention, le besoin. Et la solution serait de prolonger la piste existante sur la rue Prince-Arthur pour rediriger les gens vers Saint-Dominique. Donc, pour un petit bout seulement, bien sûr, parce que les gens pourraient ensuite venir rejoindre la piste qui est nouvellement installée sur Avenue des Pins, qui, elle, mène, bien sûr, à la piste sur Saint-Denis. Donc, encore une fois, des super belles installations. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux élus de notre arrondissement, ce serait de nous accompagner, résidents et citoyens, et commerçants plutôt, des zones 29-30, dans les discussions avec les différents intervenants qui sont impliqués, donc ceux qui possèdent les compétences pour faire arriver cette modification-là. Voilà. OK, merci. Donc, je comprends que c'est un dépôt de pétition que vous faites? Oui,
Oui, donc vous pouvez la déposer au secrétaire d'arrondissement. La piste Clark, elle est aménagée. Nous avons appuyé la réalisation de ce projet-là, nous, en arrondissement. Donc, les élus d'arrondissement, on était favorables à ça. En fait, on l'a demandé. C'est une compétence d'agglomération, le réseau cyclable, mais quand même, nous, les élus, on était favorables à ça. Elle est faite. Donc, le terrain sur lequel on peut discuter, c'est quels sont les aménagements possibles autour du stationnement. Donc, vous avez déjà discuté avec Mme Grandmaison, on en a parlé jeudi, des conversations. Donc, on essaie de voir comment on peut atténuer l'impact en termes de stationnement. On a déjà pris des mesures, vous êtes au courant, on vous les a expliquées. On est en train d'analyser d'autres options. Nous, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Repenser la piste cyclable, la mettre ailleurs, nous, on ne travaillera pas là-dessus. Vous avez droit à votre question maintenant. J'ai ma question, parfait. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez que le processus démocratique a été respecté dans l'établissement de ce tracé-là avec les résidents du quartier? Écoutez, le 1, c'est un projet qui est dans notre plateforme électorale. On a été élus à plus des deux tiers. C'est un projet qui était connu. C'est une compétence d'agglomération. L'agglomération dessine un réseau cyclable pour l'ensemble de la ville. Elle adopte ses plans en conseil d'agglomération et on les discute en conseil municipal aussi. Donc, pour moi, il y a un réseau cyclable. On en a besoin. Puis vous étiez là le mois dernier. Là. Mm-hmm. Vous voyez bien qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin aussi des résidents. Donc, nous, on fait les arbitrages entre les différents besoins. Puis là, on a une ville qui est déjà bâtie. Si on avait une ville qu'on partait de zéro, on pourrait tout planifier comme il faut. Là, la ville est déjà bâtie, puis de temps en temps, bien, il faut qu'on enlève de la place à certains usagers pour en faire à d'autres. C'est ça notre défi quotidien et notre responsabilité. Donc, à ma première question, dans le fond, est-ce que l'équipe ici présente peut nous accompagner dans les démarches avec le conseil d'agglomération? La réponse est non. Nous, on n'accompagnera pas une démarche qui vise à remettre en question un aménagement cyclable que nous avons demandé. C'est ça ma réponse, oui. Excellent, c'est clair. Merci infiniment. Autour de M. Jean-François Desbois. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire comme ma voisine, puis vu que j'avais beaucoup d'idées, je vais lire mon texte du mieux que je peux, passer mon message qui vient aussi de la part de notre voisinage. Donc, j'habite mon logement et participe à ma vie de quartier depuis près de 30 ans, en faisant du bénévolat et rendant des services au voisinage. Au cours des dernières années, j'ai vu une dégradation de la qualité de vie, ainsi que des services rendus aux citoyens et des dizaines de voisins quittés à cause des problèmes de circulation et de stationnement créés de toutes pièces par l'arrondissement de la Ville-Centre. La vie à Montréal ne fait plus de sens car celle-ci est devenue un habitat de vie dysfonctionnel où les gens de l'extérieur ne sont plus les bienvenus. S'il est vrai que nous vivons dans une démocratie, qu'est-ce qui donne le droit à la Ville-Centre et ses arrondissements d'imposer des mesures draconiennes qui fait perdre en l'espace de quelques années plus de 50% des espaces de stationnement à un secteur sans consulter les gens qui y habitent? Un élu, il me semble, devrait être au service de ses concitoyens et non seulement au service de son électorat, rendant la vie plus simple, plus belle et meilleure pour tous, ce qui n'est pas le cas de Projet Montréal. Votre manque de transparence et l'approche cavalière avec laquelle cette nouvelle piste cyclable nous a été imposée, sans consulter les gens directement impactés par une telle décision, n'est pas une approche démocratique. Les résidents et commerçants veulent discuter et faire partie de la solution, pas se faire dire « c'est ça qui est ça » comme le 7 novembre dernier. Il existe un déséquilibre entre les objectifs de la ville et la réalité des vies de ses concitoyens. Nous habitons un pays nordique et le vélo 12 mois par année n'est pas pour tout le monde. Plusieurs ont besoin d'un véhicule pour travailler, pour s'occuper de leurs parents
ou pour des loisirs pratiqués loin du réseau de transport en commun, ou les heures où il n'est pas en service. D'avoir 5 pistes cyclables collées les unes sur les autres ne fait aucun sens, et deux d'entre elles doivent disparaître, soit celle sur Clark et celle sur Milton. Nous offrons 3 solutions qui tiennent en compte vos objectifs et qui incommodent le moins de résidents possible. La guerre contre les voitures menée de front par votre parti n'est pas une fiction. M. Norris l'a bien dit lors d'une conversation téléphonique le 4 novembre dernier, et les abus d'interdiction de stationnement par votre administration sont bien visibles à travers le plateau. Le coin Milton du côté sud-est de Saint-Urbain est un bel exemple. Les pistes cyclables sont une bonne chose, on est pour ça. Mais comme dans tout dans la vie, nous devons trouver un juste équilibre où tout le monde y trouve son compte. Je vais vous demander d'arriver à la question parce que vous avez dépassé le 3 minutes. Je pense que la plupart des gens ont dépassé 3 minutes. Je vais juste terminer, si vous permettez. Merci. La situation actuelle favorise un groupe au détriment d'une autre qui, en surcroît, demeure la majorité. J'arrive à la fin. Tous ces chambardements dans nos vies n'affectent non seulement le tissu social, mais l'économie du quartier, qui voit des commerces de proximité établis depuis des décennies disparaître, dû principalement au manque d'achalandage causé par l'absence de stationnement. D'interdire celui-ci sur l'avenue des Pins est un clou de plus dans le cercueil de la Maine et met votre guerre contre l'automobile en lumière. Je vais vous demander d'arriver à votre question. Bien, ma question est simple. Nous, on exige le retrait de ces pistes cyclables-là et un moratoire sur l'implantation de pistes cyclables sans consultation publique. C'est une démocratie, à ce que je sache. Vous êtes des élus de passage. Vous n'êtes pas des rois et maîtres. La ville ne vous appartient pas. Donc, l'idée, c'est vous avez été élu avec la majorité, félicitations. Mais il y a du monde qui habite, puis c'est pas tout le monde qui est pour vos valeurs. L'idée, c'est de trouver, vous l'avez dit aussi plutôt, trouver un équilibre, que ce soit cool, que ce soit juste pour tout le monde. C'est juste ça qu'on demande. On veut qu'il y ait des pistes cyclables, mais de coller 5 pistes, une sur l'autre. Je pense qu'on a bien entendu votre argument. Oui. Oui? Probablement. Merci. Je pense que la conseillère Maëva Villain veut répondre. Oui. Écoutez, deux choses. Déjà, sur le tracé que vous nous avez proposé, ça ne fonctionne pas parce que Prince Arthur, vous proposez de rouler sur Prince Arthur, qui est une rue piétonne. Il y a souvent des gens qui sont venus dans ce conseil d'arrondissement pour nous dire que les vélos sur la rue piétonne, Prince Arthur, ça ne fonctionne pas. Donc, en termes de respect de processus démocratique, on est aussi en droit d'écouter ces gens-là qui nous disent que les gens doivent aller sur des pins. Donc, déjà, votre scénario, ça ne fonctionne pas. Puis, vous ne prenez pas en considération aussi le fait que les gens ne veulent pas toujours être redirigés vers Saint-Denis, c'est quand même beaucoup plus loin. Il y a des gens qui veulent monter Clark parce que c'est ça leur axe. Donc ça aussi, c'est un besoin légitime en termes cyclistes. Puis en termes de processus démocratique, j'aimerais bien savoir aussi c'est quoi votre conception, dans le fond, de comment est-ce qu'on doit concevoir la ville en termes... Si vous regardez les études qui sont faites par rapport au déplacement et à l'espace qui est octroyé en termes de... Comment est-ce qu'on partage l'espace public entre usagers? C'est-à-dire que si vous prenez une rue, puis vous regardez combien il y a de piétons, combien il y a d'automobilistes stationnés, combien il y a d'automobilistes qui roulent, puis combien il y a de cyclistes. Puis là, vous réfléchissez au partage équitable. Bien, regardez l'espace public avec cet œil-là, puis vous allez voir si l'espace public, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est-ce qu'il est distribué équitablement? Je serais très curieuse de vous entendre après avoir observé l'espace public avec ces lunettes-là. Disons que je connais bien mon quartier, comme je dis, ça fait 30 ans que je suis là, et de perdre 50%, je reviens sur ce point-là qui est quand même assez majeur, de tout coller les pistes cyclables unes sur les autres, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que d'avoir des pistes cyclables sur Saint-Urbain, une autre sur Prince-Arthur, puis là, vous rajoutez celle sur des pins, ça serait suffisant. Merci. Merci. Autour de M. Thomas Lécuyer.
Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être rapide parce que c'était un peu long. Je vais commencer par mon propos par une citation de Madame Jane Jacobs que j'apprécie énormément, qui disait « Les villes ont la capacité de fournir quelque chose à tout le monde seulement parce que et seulement quand elles sont créées par tout le monde ». C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, en fait, j'ai publié sur le babillard du Mylène l'inquiétude concernant le projet du 120 Nord, où vous avez déjà répondu à deux questions précédemment. On sait aujourd'hui qu'il y a le processus de PPC Moi qui est en cours, que le sondage arrive au niveau du mois de janvier, etc., etc., et que c'est quand même assez complexe comme sujet. Et ma question, en fait, est la suivante, c'est que s'il y a une initiative citoyenne qui se présente par rapport à ce projet, est-ce que l'arrondissement est prêt à pousser ou à soutenir un projet qui serait plus communautaire et plus multidisciplinaire, en fait, concernant ce bâtiment? Juste avant, comme la conseillère Marie Plourde l'a nommé plus tôt, il y a un propriétaire de ce bâtiment-là. C'est à lui, le bâtiment, et il a un projet, puis il dépose son projet. Si son projet respecte les règles ou dans la discussion autour du PPCMOI, on arrive à trouver des usages qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs collectifs par rapport au projet, son projet va se réaliser. Mais il va y avoir tout un processus de discussion publique autour du projet et il n'y a rien qui empêche qu'il y ait une initiative citoyenne qui se greffe dans un projet plus large. Si vous parlez d'une initiative citoyenne qui voudrait acquérir le bâtiment pour en faire un autre usage, bien là, c'est comme une autre paire de manches et les défis sont importants. Nous, on n'empêche pas l'initiative, mais c'est ça, le défi. je suis conscient. Vous comprenez que le défi est immense, mais je vais laisser si Marie ou Marie veut compléter. Je veux juste mentionner que, bon, on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a loin de la coupe aux lèvres avant que le projet aboutisse à quelque chose. Cela dit, une fois qu'il y a une démarche qui est entamée, on s'entend qu'il s'agit d'une démarche qui relève de la LAU, on l'a mentionné tout à l'heure. Nous sommes tenus, si le propriétaire veut aller plus loin, s'il veut mener ce projet-là à terme, ou que ce soit pour avoir un refus ou un avis favorable, nous sommes tenus de suivre ce processus-là, cette demande qu'il a fait. Il a fait quand il dépose une demande, il paie des frais d'études et tout. Donc, nous, en tant qu'élu et en tant que responsable, à moins que je me trompe, là, M. Morin, là, en tant qu'élu et en tant que professionnel, nous nous sommes tenus de suivre ce processus-là avec lui. OK, mais en fait, ma sous-question qui va être un peu plus précise, c'est donc dans ce genre de cas, suite au sondage citoyen, si vraiment le projet peut être conclu à terme, même en cas de privé, au final, quel est vraiment le rôle du sondage citoyen si la réponse négative par les citoyens, en fait, qu'est-ce que ça change au processus en soi? Si vraiment, par exemple, suite au sondage, il y a une mobilisation citoyenne qui se crée et que tous les citoyens refusent, eux, le projet, quel est le rôle de l'arrondissement? En fait, quelle position va prendre l'arrondissement à ce sujet? Ben, en fait, la nécessité de faire ce sondage-là va permettre également d'éclairer le propriétaire. Le propriétaire va entendre et va voir les résultats du sondage et peut-être voudra-t-il poursuivre sa démarche qui pourrait aboutir à, s'il y a une ouverture de registre, à un référendum qui ne serait pas en sa faveur, mais peut-être voudra-t-il intégrer les demandes des citoyens pour avoir un projet qui serait socialement acceptable. Alors voilà la raison pour laquelle nous allons vers cette démarche-là, entre autres. Et comme on l'a mentionné, on est toujours ouvert à des bons projets et à des bonnes initiatives de consultation citoyenne. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et la dernière intervenante pour les personnes du public, Mme Madeleine Nargeau. Bonsoir. Je vais faire très vite parce qu'en fait, c'est un complément sur le temps de glace. En fait, je ne savais pas qu'il y avait déjà la question qui avait été posée. Donc, Mme Villain, merci puisque vous avez dit que vous avez déjà pris le dossier en main. Et je vais rajouter juste un point, c'est que, en fait, selon nos informations actuelles, c'est que du temps de glace de nos arénas est donné à d'autres arrondissements et d'autres associations sans qu'il y ait de compensation de l'autre côté. C'est un peu ça aussi ce qu'on comprend pour l'instant aussi de la situation. Donc, ça nous paraît important d'avoir votre aide et d'avoir votre aide avec tous les intervenants qui sont présents, donc entre la ville-centre, entre Hockey Montréal et puis tout le reste. Donc, merci de votre aide. Et puis, pour l'instant, ce qu'on fait comme adaptation, par exemple, c'est qu'on partage l'aréna en deux pour
Donc, moi, ben, mon enfant, il est débutant, il n'est pas du tout dans les catégories très élevées. Donc, pour l'instant, il a bénéficié chaque semaine d'une pratique grâce à ça, en partageant la glace en deux, donc pour deux groupes dans l'association. Voilà. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que nos arénas de pratique sont à côté d'un métro. Donc, nous y sommes allés en métro. Nous y sommes allés parce que c'est moi qui porte le sac, pour l'instant. Je n'ai pas encore réussi à le convaincre d'y aller seul en portant son sac. Voilà. Ça faisait partie de mes réticences à l'inscrire au hockey, en fait. Je n'ai jamais inscrit avant 12 ans, mais je n'ai pas encore réussi à le convaincre à y aller tout seul. Voilà. Donc, merci. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Alors, nous passons maintenant aux questions en ligne. Nous en aurons quelques-unes, monsieur le maire. Pardon. Alors, la première question provient de Mme Corinne Isambert. Pourrait-on avoir un conteneur pour récupérer le verre comme dans le quartier Hansik? Oui, OK, donc vous avez déjà formulé la question. Merci, Mme Isambert. Donc, il y a un projet pilote qui a été réalisé dans le quartier Hansik dans le cadre de leur processus de budget participatif. Et ça a tellement bien marché que le service de l'environnement a décidé de la Ville de Montréal a décidé de reprendre la formule et de proposer et a fait une demande à tous les arrondissements d'identifier au moins un site par arrondissement pour commencer à déployer les sites de verre. Et dans le plateau, je ne peux pas vous dire c'est où exactement encore, mais nous, on aura un site aussi de dépôt de verre pour amorcer le processus de déploiement des dépôts de verre à Montréal. Prochaine question de M. François Papineau-Couture. Les rues sont nettoyées une fois par semaine, du 1er avril au 1er décembre, mais pas toujours. À ma connaissance, les trottoirs et ruelles de mon quartier n'ont pas été nettoyés en 2022. Est-ce que la Ville pourrait programmer le nettoyage des trottoirs et des ruelles au moins une fois par mois, au printemps et à l'automne? L'accumulation de feuilles et de déchets sur les trottoirs les rend glissants, et dans les ruelles, ils s'accumulent contre les dos d'âne et bouchent les égouts. Je crois qu'il y a là une vraie question de sécurité pour les gens qui utilisent ces voies. Une ville propre donne une meilleure image de celle-ci. Donc, merci pour votre question. Moi, on me confirme que les encombrants auraient été retirés au printemps. Pour les balais, on ne passe pas à chaque mois. Là, donc, on passe en début de saison et après, on passe... aux besoins, quand il y a des situations particulières. Donc, on a des secteurs qui sont plus sensibles que des besoins particuliers où il faut qu'on renforce nos indices de propreté. La meilleure façon de nous le signaler, c'est en avisant le 3-1-1, parce que comme ça, ça nous permet de documenter le nombre de plaintes et d'ajuster nos équipes là, en fonction de secteurs qui sont plus problématiques. Donc, évidemment, la propreté, on partage avec vous. Là, c'est un enjeu important pour tout le monde. Voilà, les quatre prochaines questions portent sur le même sujet. Il s'agit des questions de M. Mathieu Barré, Mme Sylvie Lamaire, Mme Marilyn Pires et M. Frédéric Leblanc. Je vais vous lire seulement les trois premières, comme il se doit. Donc, bonjour, je cite la page web de l'arrondissement dans un article mis en ligne en juillet dernier. Le projet d'aménagement de la place Gérald Godin devrait démarrer à la fin 2022, soit après le chantier de l'édicule de la station de métro Mont-Royal. Quels sont les travaux prévus pour cet espace laissé vacant par l'entrepreneur récemment? La place pourrait-elle être laissée vacante durant plusieurs années? En juillet 2017, l'arrondissement a fait l'acquisition du stationnement adjacent à la future nouvelle place Gérald Godin. On nous a signifié qu'il n'y aurait pas de consultation publique, à part le rapport d'études. Imaginons la place Gérald Godin, rapport qui date de près de 10 ans, mais que le terrain ferait partie de l'ensemble urbain pour la place Gérald Godin. Le chantier de construction du métro Mont-Royal, qui était sur ce terrain depuis 5 ans, a finalement été enlevé et il n'y reste que les deux conteneurs dans lesquels la Ville entrepose les bacs d'église utilisés, les bancs d'église, pardon, utilisé pendant la piétonnisation estivale de la rue Mont-Royal et le kiosque Mont-Royal. On comprend bien que ceci est temporaire. Ma question, l'arrondissement
considère-t-il maintenant un projet de verdissement pour ce terrain, jardin communautaire ou autre, et quand peut-on espérer que ce terrain perdra enfin son statut de terrain vague et remplira le beau potentiel de verdissement qu'il offre? Et la dernière question sur le même sujet. Bonjour, les travaux du métro Mont-Royal touchent à leur fin. Les conteneurs de chantier ne sont plus sur le stationnement. Seuls restent maintenant des déchets nombreux et des conteneurs qui stockent des affaires de la SDC avenue Mont-Royal. Quelles sont les ambitions pour ce stationnement? Fait-il partie de vos plans pour la place Gérald-Godin et à quelle échéance? En attendant, seriez-vous ouvert à un projet citoyen éphémère mêlant toutes les générations, garderies, écoles, organismes communautaires, résidents, etc.? Oui, donc quatre questions sur le même sujet, le fameux stationnement du centre du monastère, la plage Gérald-Godin. Donc la première chose, la station de métro est enfin refaite. Elle est accessible universellement. On est bien heureux d'avoir une station accessible sur le plateau. C'est une des stations les plus utilisées, les plus fréquentées à Montréal. La STM a enfin presque fini ses travaux. Il y aura des travaux correctifs là, qui vont être faits au printemps, là, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut corriger. À chaque fois qu'il y a des grands chantiers comme ça, il y a des petites choses qu'on s'aperçoit qu'il faut corriger. Et pour le stationnement, de manière plus précise, nous, on envisage d'en faire un espace vert qui va inclure de l'agriculture urbaine. Et on veut vraiment travailler sur un partenariat entre des organismes en agriculture et des organismes communautaires du plateau. Dans le centre du monastère, il y a plusieurs organismes communautaires. Il y a la table de concertation Action Solidarité Grand Plateau. Il y a le Resto Plateau qui offre des repas à coût modique pour des personnes à très faible revenu. Il y a Cuisine Collective, il y a des groupes de personnes âgées. Donc, on veut vraiment travailler un projet communautaire sur le jardin qui va permettre de l'agriculture urbaine et qui va permettre que la production serve pour des personnes qui en ont besoin. Et dans les prochains mois, je pense autour du printemps, on devrait être en mesure d'organiser là, une séance d'information publique pour vraiment expliquer où on en est, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les différents morceaux là, de la plage Gérald-Godin qui s'en viennent là, au cours des prochaines années. C'est trop long, mais on n'a pas le contrôle sur tout l'échéancier, mais on va avancer et... pour la partie stationnement, donc on veut le transformer en jardin avec espace d'agriculture urbaine, mais on va probablement le faire dans un premier temps en phase transitoire, donc dans des grands bacs, etc., le temps qu'on fasse vraiment les travaux, là, décontamination des sols et en pleine terre autour de 2026. Voilà. Prochaine question de M. Laurent Sicard. Dans le secteur ouest du plateau, proche de l'avenue du Parc et Saint-Joseph, on note une augmentation de l'évaluation foncière de 39 % à 42 % dans la très grande majorité. Pourtant, le rôle d'évaluation 2020 à 2022, on lit 18,3 % je présume. Et dans le rôle d'évaluation qui vient de sortir de 23 à 25 à la page 55, on lit 35,7 %. Comment expliquez-vous cette variation? Moi, je ne suis pas en mesure de répondre sur une question aussi précise là, sur l'évaluation. C'est l'évaluateur de la ville qui fait tout le processus d'évaluation foncière. Donc, je vous référerai là, au service de l'évaluation foncière si vous avez une question vraiment... spécifiques. Donc, eux, ils analysent des secteurs. Donc, ils font l'évaluation foncière basée sur des secteurs, puis ils comparent les immeubles dans le même secteur les uns avec les autres. Mais sur votre situation précise, moi, j'ai pas la réponse. Prochaine question de Mme Sarah Binder. For 3 months, we have been prevented from using parts of our homes by noise coming from the excavation of basement in the triplex across the alley from us. The contractor's response is, we have a permit. Our only responsibility is to our client. Can the permit process include an analysis of impact on neighbors in terms of noise, especially quality of equipment and abatement? In our case, they use a damaged compressor in the alley with no barriers. After 2 months, they brought a
quieter compressor, but said they were not obliged in any way by permit conditions. Can such conditions become part of permit conditions? Can the process require analysis of the geomorphology, limiting excavation in rock? Excavating rock is the most noisy time consuming of all construction in the restricted space of the plateau. Consider an outright ban. PMR is too dense to permit the disruption caused by excavating. Let's limit it. Allô? Ah, bon. Je vais répondre à la question. Alors, Madame Binder, je vais vous répondre en français, mais il me fera plaisir de vous envoyer via Vive Google Translate une version écrite en anglais. Donc, à moins que mon collègue Alex Norris veuille traduire. Non, tu ne veux pas faire la traduction simultanée? comme Sonia Benezra faisait les traductions, non? OK. Alors, ben oui, vous le mentionnez à la toute fin de votre question et de votre commentaire. Vous dites le plateau Mont-Royal est trop dense pour se permettre de faire de l'excavation. Je vous comprends. Je vais vous dire une chose. C'est vrai que c'est agressant. Je l'ai vécu. Ce sont des bruits qui viennent nous frapper derrière, là, qui nous empêchent de nous concentrer et tout ça. Sauf que, étant donné que le plateau Mont-Royal est un quartier très, très dense, c'est sûr qu'on on favorise beaucoup ce genre de travaux-là qui nous permettent de pouvoir occuper le sous-sol ou une partie en sous-sol de nos résidences. Le genre d'agrandissement sous-sol limite les nuisances une fois que les travaux sont finis, on s'entend. Donc, il y a moins de problèmes, que ce soit des problèmes d'ensoleillement ou encore des vues qui sont bloquées. Donc, c'est sûr qu'on permet les agrandissements en hauteur, mais les agrandissements en sous-sol, c'est quelque chose qui est dans un contexte de développement de villes très, très denses, c'est quelque chose qui est bien accueilli. Cela dit, nous ne pouvons pas interdire l'utilisation des marteaux-piqueurs. C'est quelque chose qui n'est pas permis, mais bien sûr, il y a un règlement sur le bruit sur le plateau Mont-Royal qui limite quand même les moments où les gens peuvent utiliser ce genre d'outils-là et peuvent faire du bruit. C'est disponible sur notre page, sur notre site Internet. Donc, du lundi au vendredi de 7 à 19 heures, le samedi de 10 à 18 heures, le dimanche de 12 heures à 18 heures, c'est interdit les jours fériés. J'en conviens, ça laisse quand même beaucoup de temps pour faire des travaux. Mais est-ce qu'il y a moyen de voir, de faire en sorte qu'au moins on puisse utiliser les bons outils? Parce que vous le mentionnez aussi, la personne qui fait des travaux pas loin de chez vous a utilisé le mauvais outil pendant un petit moment et ça fait en sorte que les travaux sont beaucoup plus longs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de valider auprès du SAGE, le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal. Cela dit, un permis ne donne pas droit de faire des travaux ad vitam aeternam. Un permis, ça a une date d'expiration et je vous invite à aller faire un tour et regarder sur l'avis. Le permis doit être affiché à la vue de tout le monde et si la date n'est pas bonne, bon, mais là, dans ce cas-ci, le propriétaire devrait faire une autre demande. Donc, c'est ce que je peux vous répondre pour l'instant, mais je vous donnerai ces informations-là telles que mentionnées. Je vous les enverrai par courriel en anglais. Et la dernière question provient de M. Léon Gagnon. Actuellement, combien y a-t-il de lieux de culte ou centres communautaires sur l'avenue du Parc entre les rues Van Horn et Laurier? Je peux répondre? Mais écoutez, les permis, on en a, attendez un peu, si je ne m'abuse, il y en a 13. Là, on calcule et les lieux de culte et les centres communautaires sur l'avenue du Parc entre Van Horn et Laurier. Juste vous mentionner que c'est une rue qui est très large et qui permet entre Bernard et Laurier, si je ne m'abuse, l'usage, le zonage prévoit un usage du C4. Donc, le C4, c'est vraiment du commercial à haute intensité qui permet différents usages, des salons funéraires, des centres de jeux, des bureaux de médecins, ça permet plus aux étages, mais dans ce cas-ci, mais également des lieux de culte, cultuels, et des centres communautaires. Voilà.
Voilà, ça termine la période de questions pour ce soir. Et nous poursuivons avec l'ordre du jour. L'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. L'article 20.01, autorisation de la première option de renouvellement d'une année en 2023 via une affectation de 701 301 $ et 51 sous, taxes incluses, en provenance du surplus de gestion de l'arrondissement de l'entrepreneur Groupe Airnet pour les services d'enlèvement des graffitis sur les domaines privés et publics, conformément au document de l'appel d'offres public 191-20 et octroi d'un contrat d'un an plus deux options de prolongation d'une durée d'une année chacune. Et donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02, octroi d'un contrat pour une durée de 3 ans à l'entreprise Creusage RL pour les services d'excavation pneumatique en vue d'effectuer des travaux de réparation mineure, de remplacement de boîtiers, de services d'eau et de nettoyage des boîtiers de vannes sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement pour une dépense totale de 415 174 $ et 73 sous, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 194-26. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03, autorisation de la deuxième option de renouvellement d'une année à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux pour une dépense totale de 122 997 $, exonérée de taxes, pour les services de fourrière animale et de capture, stérilisation, retour et maintien, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et ce pour un engagement global de 3 années, totalisant la somme de 354 297 $, exonérée de taxes, conformément au contrat de service de gré à gré. Je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, octroi d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme La Relance des loisirs tout neuf, au montant de 95 000 $, toutes taxes applicables, ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre des programmes Activités de loisirs, accueil et surveillance et camp de jour, à même le budget de fonctionnement et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05, octroi d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme Centre du Plateau, au montant de 91 000 $, toutes taxes applicables, ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre des programmes Activités de loisirs, camp de jour et accueil et surveillance, à même le budget de fonctionnement et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06, octroi d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme Association récréative Milton Park, au montant de 47 000 $, toutes taxes applicables, ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, dans le cadre des programmes Activités de loisirs, camp de jour et accueil et surveillance, à même le budget de fonctionnement et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.07, octroi d'un soutien financier dans le cadre du projet GM Court, totalisant la somme de 36 000 $, toutes taxes applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1er janvier 2023, au 31 décembre 2024, à l'organisme GM Court, à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.08, octroi d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 32 083 $, toutes taxes applicables, à l'organisme plein milieu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, dans le cadre de la prolongation du programme d'action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.09, octroi d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 25 826 $, toutes taxes applicables, à l'organisme plein milieu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, dans le cadre de la prolongation du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.10, octroi de contribution financière totalisant la somme de 10 000 $, taxes incluses, pour l'aide alimentaire du temps des fêtes aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux.
Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Et je vous propose de prendre une gorgée d'eau. C'est très gentil, merci. On a beaucoup de points ce soir. Beaucoup. L'article 21 octroie d'un soutien financier non récurrent représentant la somme de 9 500 $, toutes taxes applicables, à trois organismes dans le cadre du programme d'accompagnement loisirs de l'île de Montréal 2022. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 22 octroie d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 8 000 $, toutes taxes applicables, à l'organisme La Maison d'Aurore pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, dans le cadre de la prolongation du programme Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables et approbation de l'addenda à la Convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 23, octroi d'une contribution financière de 1 800 $, taxes incluses, à l'Association des gens d'affaires du Milan pour l'animation des rues Bernard et Fairmont à l'aide de décoration du temps des fêtes. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 24, approbation de l'addenda à la convention initiale avec le Centre du Plateau dans le cadre du projet Lauréat Jardin Collectif Phase 2, afin de prolonger la durée de celle-ci jusqu'au 31 juillet 2023 et report de la portion résiduelle de la contribution financière totalisant la somme de 37 000 $, toute taxe applicable pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 25, résiliation de deux conventions de contribution financière signées dans le cadre du programme de soutien aux actions culturelles 2020 avec l'organisme Audace Événements et Cœur de chambre Tactus. Donc, je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30.01 offre au Conseil de la Ville, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, qu'il prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de la rue Boucher entre les rues Montana et Saint-Hubert. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30.02 offre au Conseil de la Ville, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de réfection mineure des trottoirs pour les rues du réseau artériel sous l'administration de la Ville, décrite en pièce jointe au sommaire décisionnel. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30.03 offre au Conseil de la Ville, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de reconstruction d'égouts sur la rue Rivard, entre la rue Guilford et le boulevard Saint-Joseph, et acceptation d'un financement supplémentaire de la division de la gestion de portefeuille et administration d'un montant de 80 000 $, toutes taxes incluses, destiné à la bonification de la géométrie de la rue Rivard. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.04, autorisation d'une dépense totale de 6 763 000 $ relativement à la fourniture de biens et services d'utilité publique et à la facturation immobilière selon les budgets prévus à cet effet pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.05, autorisation d'une dépense de 101 887 $ et 63 sous, taxes incluses, pour un mandat d'études environnementales et géotechniques par le groupe ABS, conformément à l'entente cadre 154-16-33. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.06, approbation du dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics de 2023 pour le jardin communautaire Rivard. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.07, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement du Plateau-Montréal pour l'année 2023. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.08, acceptation de l'aide financière maximale de 30 515 $ du ministère de l'Éducation du gouvernement du Québec,
pour la mise en œuvre du projet d'offrir la gratuité des formations menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Et j'invite vraiment tout le monde à suivre le cours de sauveteur parce qu'on en a besoin pour nos piscines l'été prochain. Adopté. L'article 30.09. 16 ans et plus, mais on accepte même les personnes de 70 qui ont envie de mettre du temps, qui sont prêtes à suivre, à aller chercher leur diplôme. 30.09. Autorisation du dépôt d'une demande de subvention d'un montant total de 2 396 688 auprès d'Infrastructure Canada dans le cadre du programme Bâtiment vert et inclusif pour la réalisation du projet Rénovation de la toiture du centre du Plateau et autoriser Mme Brigitte Grandmaison, directrice d'arrondissement, à signer tous les engagements relatifs à cette demande de subvention ainsi que la confirmation de l'engagement à financer 20 % des coûts du projet. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30-10, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2022. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. 40-01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.02, approbation des modalités du programme d'embellissement visant l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée pour l'année 2023. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.03, approbation de la demande de l'OBNL Le Livard à tenir l'activité permaculture dans ses locaux du 3980 rue Saint-Denis. Recommandation au Conseil de la Ville d'autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de réunion de l'organisme à cet effet. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Les articles 40.04, 40.05, 40.06 sont des règlements qui sont déposés en avis de motion, en dépôt, donc pour l'adoption des projets des règlements suivants. Le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2023. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités et encadrements liés aux cafés-terrasses, placatoires et terrasses mutualisées pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et le règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivants. Le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2023. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités et encadrements liés aux cafés-terrasses, placotoires et terrasses mutualisées pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et le règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial, lesquelles sont déposées avec leur dossier décisionnel. 40.07, adoption du règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. 40.08, adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation relativement à l'hébergement touristique. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 40.09, adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 40.10, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial rue Laurier-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant de cotisation à ses membres. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 41, adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant de cotisation à ses membres. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 42, adoption du règlement autorisant un emprunt de 12 millions de $ pour le financement des travaux relatifs aux bâtiments municipaux. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 43, adoption du règlement autorisant un emprunt de 3 400 000 $ pour la réalisation du programme de réaménagement des parcs. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter le règlement tel que déposé.
Adopté. L'article 44, adoption du règlement autorisant un emprunt de 5 625 000 $ pour le financement des travaux de voirie et l'acquisition de divers équipements. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 45, adoption du règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé au 3655 rue Saint-Urbain à des fins de garderie. Yeah. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté. L'article 46, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser le maintien de deux logements excédentaires au zonage et le maintien de l'usage bureau au rez-de-chaussée dans un secteur à vocation résidentielle dans l'immeuble situé au 4115 à 4123 rue Saint-Hubert. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 47. Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la division de deux logements pour créer quatre logements par étage pour un total de huit, situés au 177 rue Bernard-Ouest. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 48. Adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'ajout d'un troisième étage d'une superficie de 45 mètres carrés malgré le secteur qui permet uniquement des bâtiments de deux étages situés au 4705 rue Berry. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 49. Adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'usage salle de spectacle pour une durée déterminée à l'occasion du festival Taverne Tour et autorisation du renouvellement de la résolution pour les années 2024 et 2025 selon les mêmes modalités. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 61.01, dépôt de la réponse au projet de pétition concernant la révision de la configuration de la piste cyclable rue Clark entre Milton et Rachel pour augmenter les places de stationnement. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, de prendre acte de la réponse au projet de pétition telle que déposée. L'article 61.02, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, de prendre acte du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement telle que déposée. L'article 61.03, dépôt de la motion confirmant l'adhésion de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, de prendre acte du dépôt de la motion confirmant l'adhésion de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité telle que déposée. L'article 61.04, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues le 20 septembre et le 4 octobre 2022. Et le dernier article 70.01, levée de la séance. J'ai juste une question sur le 61.03. On prend acte du dépôt de la motion, on ne doit pas l'adopter? Oui, vous prenez acte. Elle est déposée, la motion est déposée, donc vous prenez acte. Vous l'adoptez par le fait même. On l'adopte par le fait même, OK, oui, parce que je une résolution à cet effet-là. Une résolution officielle, parce qu'on l'adopte à l'unanimité. Oui. Parfait, je suis sûr. Merci. Donc, 60.01, levée de la séance. Oh! J'aurais envie de continuer encore un peu, là. Aussi. Et juste 21h43, il y a quelqu'un qui a des questions, quelque chose. Donc, merci tout le monde pour votre présence. Vous proposez appuyé par... Et donc, je propose appuyé par Alex Norris de lever la séance du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. Joyeux. 21h43. Merci à tous et à toutes de votre présence. Joyeux.